Merci, M. le Président. Merci également à la chasseur. Monsieur le Président, le papier a sollicité la confrontation entre Olympique et nous sommes d'accord sur un point de contradiction relevé dans les déclarations de M. Moutaba ici à cette barre. Monsieur le Président, le point de contradiction, c'est par rapport à la présence effective de Olympio, l'Espagne, et la présence également de M. Moutaba, où des propos ont été tenus par M. Colonel Tiboron. Alors, Colonel, la question que nous allons vous poser est celle de savoir si ce jour à l'Esplanade du Stade, le 20 septembre, vous avez vu M. Moutaba. Oui. Vous l'avez vu. Oui. Vous avez échangé avec lui. Oui. Parce que. Quelle était la douleur de vos échanges? Merci, monsieur le procureur. Moutaba, effectivement, j'ai pas attendu quand je suis arrivé à l'Esplanade, j'ai vu une parole de l'Esplanade.
médiatique, l'avènement, disons, ça prend là le reportage. Comment se connaît-elle? Alors, en fait, dans cet enthousiasme-là, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, à partir du moment où je l'ai mis en rapport, en relation avec ce papouet, moi, je ne l'ai plus revu. C'est ainsi que j'ai continué. Vers le public, de là-bas, vous l'avez plus revu. Oui, mais j'ai fini là. J'ai continué vers le public. Et de là, on ne s'est plus revu, pratiquement. Il m'a vu, moi, je ne l'ai plus revu. D'accord. Monsieur Mokhtar Ba, lors de votre comparution devant ce tribunal, vous avez tenu des déclarations selon lesquelles ce jour vous étiez venu effectivement au stade et à l'esplanade, vous avez vu que le colonel Sekoro était avec une foule. Et dans un premier temps, il échangeait avec la foule. Et, mais puisqu'il n'y avait pas de compréhension entre lui et la foule, et il a tenu des déclarations selon lesquelles chargé. Et que c'est après l'expression de ce terme que les gaz lacrymogènes, les agents ont commencé à jeter les gaz, mais également des coups de fusil ont retenti. Alors, ces propos, est-ce que vous les confirmez que ces propos effectivement viennent de colonel Tibo? Je n'ai pas d'abord dit qu'il y avait des coups de feu. Ça, je pas. Colonel Keboro, ce qu'il a expliqué, il y a une petite nuance. Quand nous sommes arrivés, il y avait un camp. Il était arrivé avec ses hommes. Il y a eu une bonne ambiance. On l'a applaudi. Les gens l'ont approché. Il était au milieu d'une foule. Après, il y a une grande marée, il y a une marée humaine qui est venu du côté de Bellevue. D'autres sont venus du côté de Farmaguiri. Mais ils n'étaient pas encore arrivés au stade. Ils l'ont bloqué. Keboro, avec les jeunes qui étaient autour de lui, il y a eu des amabilités. Ils ont échangé. La tension est montée. Il a dit, chargé. C'est en ce moment que les gaz lacrymogènes et les matraques ont commencé. Moi, j'ai été pris de dos par des policiers de la CMIS et des policiers qui étaient au commissariat du stade. Ils m'ont embarqué, ils ont retiré mon matériel que j'avais en main. Ils m'ont embarqué, ils ont cassé ça sur le goudron, et le micro, et la réseau, et un nouvel téléphone. Ils ont cassé ça sur le goudron. Ils m'ont embarqué dans le véhicule de la CMIS qui était garé au niveau du placard Sens Dixit Université. Depuis là, je ne contrôlais plus rien. Après, quand Bafoué est venu, il m'a vu dans le véhicule. Il a insulté les policiers. Pourquoi vous l'avez embarqué? Est-ce que vous le connaissez? Laissez-le. C'est bon, s'il vous plaît. Attends, il a crié. C'est bon, moment, s'il vous plaît, c'est bon. Donc, vous confirmez que, après ce propos du colonel Tibro, chargé, les gaz ont commencé à lancer les gaz. C'est après, la main sur le corps, c'est après que Tibro ait dit, chargé, que ça a commencé. Autrement dit, ces propos ont produit immédiatement des effets. Parce que les gens ont lancé des gaz. S'il vous plaît, c'est bon. Monsieur le procureur, n'insistez pas dessus, trop dessus. Colonel, là, déjà, oui. Cette question à vous. Merci, monsieur le procureur. Dieu nous protège dans ce pays. Je voulais commencer par ça. Ce monsieur qui reste à
pas de monde. Et devant Dieu, ils disent la main sur le Coran. On n'a pas le danger du Coran. Que Dieu accepte sa prière. Bon, vous n'avez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous m'écoutez? Oui. Il a parlé. Voilà, donc parlez, laissez-le tranquille. D'accord. Voilà, vous n'avez pas à faire des prières pour que Dieu accepte ses prières. Oui, c'est lui qui a demandé Dieu. Donc, dites votre version de Merci, M. le Président. Ce qu'il dit, c'est de la contre-vérité pure et simple, parce que tout simplement, Dieu a déchargé par rapport à quoi? Les témoins sont venus ici. Ces témoins, d'abord, on commence par d'abord par la vidéo. Quelqu'un qui est venu, un officier, un cadre qui est venu dans un milieu de ce genre, où la tension est vraiment montée à un niveau donné. Qu'il vient et que les gens l'accueillent avec l'applaudissement, il a dit à ses propos, avec l'applaudissement. Ce cadre, à l'époque des faits, qui est un cadre de la République, une autorité de la République, tout ce qu'on cherche dans les milieux comme ça, c'est l'applaudissement. On t'applaudit, et toi, c'est le moment pour toi de dire aux gens, charger. Et charger signifie quoi? Parfois, il était venu pour la question. Il a dit qu'il n'en a pas entendu. Les images ont passé ici, personne n'a entendu. Les audios ont passé ici, personne n'a entendu. Et mieux que tout ça, toute la presse y était, dont lui, dont les autres, privé comme public, y était. Personne n'a, depuis 14 ans, exhibé ce propos-là. Et dans son reportage de soir, ou lendemain, à la RFI, je n'ai pas entendu, quand nous sommes arrivés devant l'esplanade, et on a été arrivé là-bas, et il a déchargé. Et ce qui a motivé le déclenchement des hostilités. Non, c'est de la fabulation plus simple. Je vous dis, monsieur le procureur, chargé en termes de MO, de maintien d'ordre, en termes de maintien d'ordre, ça c'est un commandement. Et ce commandement est composé de deux phases. Un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le mot chargé ne signifie à rien du tout. Et je ne l'ai pas dit. Si je l'avais dit, c'est un point modal. C'est un point modal. Les gens, les journalistes qui étaient là, auraient arrêté cette partie pour faire l'objet de publicité. C'est bon. N'importe les problèmes. Je peux. Désolé. Oui. Je vous dis, quand les gens l'ont appris, ils l'ont entouré, la foule est arrivée, je vous jure, il y a eu la tension est montée. La tension est montée. Déboro a dit chargé. Je l'ai entendu, j'étais à côté de lui, il a dit chargé. C'est bon. Je le confirme. Je le confirme et je le confirme. Oui. Oui, monsieur le président. Et je ne veux pas commenter ce monsieur, franchement, parce que vous l'avez dit, mais je suis complètement meurtri de déception. Ce monsieur et moi, depuis 14 ans, on est ensemble. Tu vois, il vient à mon bureau, on se frotte dans les réunions, dans les grandes rencontres. Il m'a jamais parlé. Autrefois, il est venu ici, quand le début de ce procès. On s'est croisé ici en tant qu'ami. Il m'a dit, je vais sortir contre toi. Le procès avait déjà fait 7 mois. Il dit, tu dois dire quoi? Pourtant, tu me disais qu'il n'y a rien dans ce dossier. Il ne m'a jamais dit, on se frottait, on se faisait tout. Si aujourd'hui, bon, c'était certainement une amitié hypocrite quelque part, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il dit, est infondé. Et ça, voyez, chargé ne veut rien dire. Moi, un, mais celui n'était pas doté d'acrymogène. Deux, on n'avait pas de matraque. Et trois, monsieur Boubacar Al-Kassid Diallo a été clair ici, un intellectuel chevronné. Il a été clair ici, comment je suis venu, comment je me suis retiré. Il était présent. Et la presse tout entière était là. Personne n'a réussi ce mot-clé. C'est bon. Je suis d'accord. C'est bon, si c'est pour la même chose, c'est bon maintenant. Moi, c'est la même chose. Voilà. Et je maintiens ce que j'ai dit. C'est bon. Quelqu'un est passé ici, un monsieur est passé ici, il a dit que Kéboro a dit saccagé. Vous vous souvenez? Il a dit saccagé. Moi, j'ai dit non, il n'a pas dit saccagé, il a dit chargé. Ouais, c'est bon, s'il vous plaît. Je suis désolé de non, c'est bon. Les Je ne l'accuse pas parce que je veux l'accuser. S'il vous plaît. Moi, il est honte d'être intellectuel dans ce pays. Parce que c'est un... à ce niveau de vie. RFI, s'il vous plaît. Correspondant de RFI, je n'ai rien contre lui. J'ai dit qu'il a dit chargé. S'il vous plaît. Bon, vous arrêtez maintenant. Monsieur Ba, monsieur, voilà.
Vous n'avez pas, ça a tout l'air... C'est comme une menace. Ça a tout l'air d'être des menaces, hein, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous adresser à lui. Voilà. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, vous n'avez pas à vous adresser à lui. C'est une question qui vous a été posée. Défendez-vous, laissez-le tranquille. D'accord, c'est tranquille. Voilà, vous le laissez tranquille. Voilà. Et vous avez eu tout le temps de vous défendre, ça suffit. Mais laissez-le tranquille. Ne vous adressez pas à lui. Et monsieur le procureur, je maintiens. C'est bon. Je maintiens qu'il a dit. C'est bon, hein. Ça. Voilà. C'est bon maintenant. Allez-y. Monsieur le président, c'était le seul point. Nous vous remercions très sincèrement. Vous êtes salué au début, hein. Voilà. Vous êtes bien salué au début. Voilà. Donc maintenez ce climat. La partie civile a quelque chose. Et je vous remercie, monsieur le président, messieurs les assesseurs. Permettez-moi tout d'abord de saluer tous les acteurs et qu'on a pu faire. Je voudrais demander à monsieur Bah, est-ce que vous confirmez que depuis 14 ans, vous connaissez M. Camara? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je le connais. J'en ai fini. Merci, M. le Président. Monsieur les assesseurs, sur le même point, une précision très capitale. Monsieur Bah, est-ce que vous confirmez ce qui est dans vos déclarations du 9 octobre 2023, lorsque vous êtes arrivé dans un premier temps, le colonel s'est présenté, il a été applaudi. Oui. Il a quitté les lieux et vous aussi, vous avez envoyé les premiers éléments. Oui. C'est quand vous êtes revenu, vous l'avez revu à l'esplanade. Oui. C'est ça? Oui. C'était à quelle heure? Lorsque vous êtes revenu. Bon, on ne va pas reprendre les interrogatoires. On ne reprend pas les interrogatoires. C'est une contradiction. Je n'ai pas chronométré. Je ne vois pas. C'est pas comme je l'ai dit, s'il vous plaît. Je ne me souviens plus. S'il vous plaît, on ne confronte pas les déclarations d'une personne qu'on confronte. Non. Ce sont les points de contradiction entre deux personnes. C'est ce qu'on fait. Exactement. C'est ce que je suis en train de faire. Parce que le colonel n'était pas revenu. Je voudrais poser la même question au colonel. Allez-y alors. Mon colonel, merci. Lorsque vous avez quitté l'esplanade, aux environs de 9h, est-ce que vous êtes revenu là? Pas du tout. Et pour une petite précision, lorsque j'ai quitté l'esplanade, comme M. Al-Kassim l'a dit ici, je suis parti vers les leaders. Vous avez vu notre entretien. Après là-bas, comme M. Ben l'a dit ici, moi j'ai continué, tant d'autres l'ont dit. Moi j'ai continué, je ne suis plus revenu. Personne ne m'a revu. C'est après que les tirs ont commencé, que je suis revenu maintenant. Et je ne suis même pas resté à l'esplanade, exactement. C'est très ce que je pourrais faire. Monsieur Bah, qu'est-ce que vous avez? Quand je l'ai quitté, moi c'est moi qui l'ai quitté. Je suis allé envoyer les premiers éléments dans le quartier et je suis revenu. Je l'ai retrouvé là-bas. Je vous remercie. Moi, je vais vous poser une seule question et c'est une question. Pour ce qui concerne M. Mutaba, lui, je n'ai rien à vous poser comme question. Bon, c'est une question, c'est pour les deux. Hein, c'est pourquoi je ne cesse de préciser. Ce n'est pas l'interrogatoire de M. Moussa Kiégoro. Oui, s'il vous plaît, suivez-moi, écoutez, on ne polémique pas. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on accepte, s'il vous plaît. Je me plie. Ouais, voilà. Donc, si c'est une question simplement pour M. Kiégoro, ce n'est pas son interrogatoire qu'on est en train de reprendre. Ce sont des points de divergence qu'on est en train de chercher à discuter entre les deux. Allez-y. Je me plie avec de Dieu, M. le Président. C'est pas. Est-ce que vous confirmez
comme quoi que le Tibur Camara a dit à votre présence chargé. Oui, je le confirme. D'accord. J'ai fini avec vous. Je n'ai pas vu taper quelqu'un. C'est bon, hein, c'est bon. On peut le dire. Est-ce que c'est possible devant les manifestants dans un premier temps, comme je vous le dis, après vous retournez encore pour dire il faut charger contre ce qu'on appelle le Congo. Est-ce que cela est possible? Cela n'était pas possible. Il sait. C'est juste une question. Ce qu'il raconte, il sait pertinemment pas porter la moindre preuve, même le moindre indice. Comment ça peut être chargé à une foule qui m'a accueilli comme un. C'est bon. C'est pas possible. C'est bon. N'importe qui pour le faire. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Moi, je voudrais demander à monsieur Mokhtar, excusez-moi, comme il maintient que le colonel avait dit il faut charger. En ce moment, est-ce qu'ils étaient côte à côte? J'étais à côté de lui. Quand la tension est montée, M. Kéboro a dit vous avez répondu, charger. D'accord. Je le maintiens. En face de vous, il y avait des policiers ou des gendarmes? Il était à côté de ses hommes. Ses hommes étaient à côté de lui. Estimé au nombre de combien? Je ne sais pas. Ce n'est pas un interrogatoire, monsieur. À votre avis, le mot charger signifie quoi? La question, c'est pour qui? C'est pour M. Ba, le mot charger. Bon, ce n'est pas son interrogatoire, on reprend, ou son audition, on est en train de reprendre. Il faut qu'on soit d'accord. Monsieur, mon colonel. Si tu veux, c'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Allez-y. Merci, monsieur le président. Mon colonel, en face de vous, il y avait des gendarmes? Quand moi je suis arrivé le matin, les gendarmes n'y étaient pas. J'étais à distance, les gendarmes n'y étaient pas. Il y avait des éléments. Personne n'a vu à peu près. Et il y avait des policiers avec Bafoué. Et dans ce cas, chargé, on sait. C'est bon, c'est répondu. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de gendarmes. Vous avez été côte à côte avec M. Ba. M. Ba m'a intercepté quand j'arrivais. Mais est-ce qu'il était après de moi? Il y avait plein de journalistes. Hein. Est-ce qu'il était à côté de vous? Non, je ne l'ai pas observé après. Moi, je m'adressais aux gens qui des manifestants. J'en ai fini. Merci, monsieur le président. Vous pouvez rejoindre votre place, monsieur Kamara. Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby et monsieur Ben Youssouf Keïta, Youssouf Ben Keïta, ministère public. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Nous avons souhaité la confrontation entre Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby et Ben Youssouf Keïta sur un point précis, la présence du premier au CHU de Donka. Il y a leurs deux déclarations sont contradictoires là-dessus. Monsieur Ben Youssouf Keïta, confirmez que c'est en votre présence constante que Monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, à l'époque ministre de la Santé, est arrivé dans l'enceinte de l'établissement hospitalier, le CHU de Donka. Était-il en tenue militaire? Oui, il était en tenue militaire. Était-il accompagné d'autres bérets rouges? Est-ce que la question, c'est un interrogatoire? Non, monsieur le président, j'ai voulu achever avant de venir achever. Mais si mon schéma ne vous convient pas, je reviens. Allez-y alors. Est-ce qu'il était en compagnie d'autres militaires bérets rouges? Il était en compagnie de plus
de deux militaires. Monsieur Abdullah Chérif Diaby. Oui, monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là? Vous êtes venu en tenue militaire? Non. À Donka, en compagnie de militaires béret rouge. Je suis venu à Donka, en tenue civile, en bazin, avec babouche. Bien. Et... C'est bon, vous avez répondu à ma question. Merci. Il n'a pas terminé. Monsieur le Président, c'est... Est-ce que... Parce que vous avez dit qu'il est... Vous avez demandé à monsieur... Ben Youssouf Keïta, s'il est venu le premier. Non. J'ai demandé s'il était venu en tenue militaire et s'il était venu en compagnie de béret rouge. Okay. C'est bon alors. Monsieur Keïta. Oui, monsieur. Lors de votre passage ici, vous avez dit que monsieur Abdullah Chérif Diaby n'a pas eu d'empathie pour les victimes que vous étiez. Affirmatif. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je le maintiens. Monsieur Abdullah Chérif Diaby, ces déclarations sont-elles concordantes à votre réalité à vous? Pour moi, ce n'est pas concordant. Je m'excuse si je... Vous avez répondu à ma question, monsieur Diaby. Ce manque d'empathie, vous l'expliquez par quoi? Très bien, c'est monsieur le colonel, parce que je ne l'appelais pas docteur, n'était pas de la profession médicale. En plus, ministre de la Santé à l'époque, qui a prêté serment. Nous avons la même profession, il est chirurgien, je suis chirurgien. Et à l'époque, il était mon ministre. Donc je le connaissais très bien, je disais. S'il n'avait pas prêté le serment d'Hippocrate, qu'il connaît très bien, 10 points, dont le point essentiel est de porter assistance en personne en danger. Même votre ennemi, quand il vous trouve, vous devez le soigner. Monsieur Keïta, excusez-moi de vous interrompre, le manque d'empathie. C'est ce que je vais expliquer. D'accord, allez-y droit au but, s'il vous plaît. Donc, le médecin, la première qualité d'un médecin, c'est l'accueil. Et si vous venez trouver, c'est compatir, avoir le sentiment de pitié, de partage de la douleur de celui qui est en face de vous. C'est ce qu'on appelle empathie. Malheureusement, le colonel, ce jour, n'était pas un médecin, il était un militaire. S'il n'était pas médecin, je n'aurais pas du tout d'en vouloir. Mais il est venu avec hargne, alors que nous gémissions, parce que tout ce qui était dans cette salle, il y avait plus de 50, 60 personnes, éparpillées un peu partout, blessées, gémissant de douleur, tristes. Qu'il vienne, il devait nous réconforter. Mais dès qu'il est rentré, il n'avait pas d'armes. Il n'a frappé personne. Mais il a eu des propos déplacés des médecins envers un patient, un malade. Ce qui a cassé naturellement notre morale et qui nous a apeuré davantage. Ces propos déplacés, vous pouvez appeler à l'intention. Quand le médecin vient et trouve le malade, il crie sur lui. Pourquoi vous êtes allé? C'est ce qu'il a dit. Très bien. Qui vous a dit d'aller? Pourquoi vous êtes allé? C'est pas comme ça qu'on traite un médecin. Monsieur Abdullah Chérif Diaby. Est-ce que tel a été votre comportement quand vous étiez allé à l'hôpital Donka, tel qu'a décrit M. Ben Youssouf Keïta? Est-ce que vous avez eu ces propos-là? Parce que c'est ce qui a, selon lui, caractérisé votre manque d'empathie en votre qualité de médecin et doublé de la casquette à l'époque de ministre de la Santé. Merci, monsieur le procureur. Je voudrais rappeler d'abord à mon grand frère, docteur Pen, je suis bien docteur en médecine. Si je vais expliquer un peu mon parcours universitaire, il saura que je suis docteur en médecine et que je suis chirurgien spécialiste. J'opère du cou aux orteils.
Je suis chirurgien généraliste et spécialiste en chirurgie de guerre. Il m'appelle docteur, je crois que c'est normal, il le sache. Comme s'il m'appelle colonel aussi. Là aussi, je suis académicien. Et ça, j'ai cherché. Il peut m'appeler docteur. Il n'aura pas honte. Et ce qu'il m'a dit, ce qu'il a dit, donc là, que j'ai pas manqué d'empathie, que le procureur, je ne suis pas d'accord. D'accord. Il ne peut pas lire ce qui est dans ma tête. Ce que j'ai vu quand je rentrais à Donka, l'affluence, les blessés, à même le sol, au service des juges. J'étais complètement déboussolé, dépassé. Les propos qu'il a tenus, qu'il vous a attribués, est-ce que ça venait de vous ce jour? C'est pas possible. D'accord. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai pas. Merci, Monsieur le Président. C'était le seul point de contradiction que nous avons relevé. Nous vous remercions. Parti suivi. Et docteur Ben. Oui, maître. Pourquoi vous ne voulez pas appeler M. Diaby, docteur? C'est la seule question. Merci. C'est parce... bon, c'est pas important. C'est un conseil d'abord. Merci, Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs. Je commencerai la même question par Dr Youssouf. Oui, maître. Vous rappelez dans votre déclaration ici, lorsque vous étiez passé, à un des paragraphes, vous avez fait état de Dr Chérif, était en compagnie des gardes. Vous rappelez? Affirmatif. Ce qui suppose selon vous qu'il a une troupe en ce moment. Oui, bon, c'est pas. On ne reprend pas, on reprend pas les débats. D'accord. Monsieur le ministre. Maître. Lorsque le docteur dit que vous étiez en compagnie des gardes, est-ce que, oui ou non, vous étiez avec des gardes à l'époque? Oui, j'étais avec mon garde corps. Très bien. Est-ce que vous n'avez pas droit à ça? Vous avez droit. Bien. Deuxième point. La question de l'empathie, pour la question vient pour Dr Youssouf. Oui, maître. Et est-ce que ce n'est pas sur la base d'une déontologie de votre profession que vous avez fait état de cela? Affirmatif. Bien. Monsieur le ministre. Maître. Est-ce qu'il existe quelque part en matière de médecine de guerre la notion d'empathie quelque part? Parce que vous êtes spécialiste en matière de médecine de guerre. Oui. L'empathie, c'est français. Bien. L'empathie, à l'antipathie. Bien. Existe. Troisième point. Docteur Youssouf. Oui, maître. En face d'une telle situation, d'un tel événement, oui, maître, qui dépasse l'entendement, est-ce que il ne vous arrive pas des fois avoir un comportement extra de vous-même? Non. Ne quittez pas là, s'il vous plaît. C'est le pas, médecin. C'est pas, c'est bon. Cette question n'a pas. D'accord. Monsieur le ministre. Maître. Ce jour, lorsque. Parce que Dr Ben dit que vous étiez en, militaire, en tenue militaire et vous étiez en compagnie des militaires. Et lors du passage de la directrice de Donka, étiez-vous ce jour-là avec elle ou vous étiez avec des militaires? Je ne vous comprends pas. Je veux savoir ce jour-là, lorsque Dr Youssouf dit que vous étiez en compagnie à Donka en présence des militaires, alors que ce jour-là, un, vous n'étiez pas tenu, deux, vous étiez en basse, trois, vous étiez en présence de la directrice de Donka. Oui ou non? Non, maître, écoutez, s'il vous plaît. Quand je suis arrivé aux urgences de Donka, il n'y avait pas que la directrice. J'ai voilà, trouvé, donc vous voyez que vous-même, vous mettez de des trucs ensemble et votre client dit autre chose. J'ai trouvé plein de monde. Voilà. J'ai dit d'aller directement au service des urgences. C'est bon. Alors, Dr Youssouf. Oui, maître. Le temps que vous avez fait à Donka,
Oui, mais... le temps que M. le ministre a fait à Donka, respectivement entre vous deux, oui. Qui a quitté avant l'autre? Bien. J'avais une question pour vous. Oui, très bien. Moi, je suis arrivé à Donka dans les environs de 12h30, 13h. Oui. J'y suis resté jusqu'au lendemain, oui. À 10h. Donc, le 28 septembre à 13h, j'étais à Donka. J'y suis resté jusqu'au 29 à 10h. Le ministre de la Santé, le colonel, est venu dans les environs de 13h, 13h30. Et il a passé à mes côtés. Il n'y avait même pas 30 cm entre lui et moi quand il passait. Il n'y avait que des Guinéens couchés à même le sol, gémissant. Qui a quitté avant l'autre? C'est lui qui a quitté avant moi, que je sache. Bien. Parce qu'il a passé, bon, moi je ne l'ai plus revu. C'est bon. Monsieur le ministre, pour le dernier point de vue, je veux savoir, lorsque vous êtes à votre qualité de ministre à l'époque à Donka, est-ce que votre présence à Donka ne s'avait pas nécessaire? C'est nécessaire, c'est indispensable. Il fallait venir voir d'abord ce qui se passe. C'est bon à vous rendre compte. Merci, monsieur le président. Vous faisiez des gestes de la main tout de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, non. Que vous adressiez à quelqu'un? Non, 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 monsieur le président. Ça avait tout l'air. Non. Oui. Oui, oui, vous avez fini à quelqu'un d'autre. Pensez que quelqu'un vous a... Vous pouvez rejoindre vos places. Merci, monsieur le président. Monsieur le procureur, je peux avoir une minute, s'il vous plaît, comme c'est la dernière. Allez-y. Asseyez-vous. Je voudrais tout simplement, en ma qualité de leader politique, en qui des centaines de nos compatriotes, des milliers, font confiance, profiter de l'occasion que j'ai. Bon, s'il vous plaît, ici, ce n'est pas une tribune où un leader politique va s'adresser, je ne sais pas à qui que ce soit. Si c'est dans ce sens, on ne le permettra pas. Bon, s'il vous plaît. Personnel, là, c'est purement s'il personnel. Vous plaît, oui. Il y a d'autres canaux pour ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez rejoindre vos places. Merci beaucoup. Gabi doit également être confronté à Uri Bailo. Oui, on va l'appeler. On va l'appeler. D'accord. Adjudant-chef Mamadi Soumaoro, un polo. Adjudant-chef Mamadi Soumaoro, il est là. Colonel Blaise Goumou. Asseyez-vous. Ministère public. Merci, Monsieur le Président. Merci également à votre assesseur. Monsieur le Président, le parquet a sollicité la comparution, la confrontation de M. Blaise Goumou à M. Mamadi Soumaoro sur deux points de contradiction relevés au cours des débats. Monsieur le Président, le premier point, c'est sur la fréquence de la présence de Blaise Goumou au centre d'instruction de Kalea. Et le second point, c'est par rapport à l'uniforme qu'il portait, mais également le béret. Alors, je voudrais poser la question à M. Mamadi Soumaoro. M. Soumaoro, lorsque vous avez comparu en qualité de témoin devant ce tribunal, vous avez eu à tenir des déclarations selon lesquelles M. Blaise Goumou était fréquemment au centre d'instruction de Kalea, contrairement à ses déclarations selon lesquelles il n'était nullement lié au recul de Kalea. Alors, est-ce que vous confirmez ces déclarations selon lesquelles M. Blaise Goumou était fréquemment au centre d'instruction de Kalea? Mamadi Soumaoro, il n'y a qu'un ministère, tribunal Nyakoroya, pour un bolo, comme M. Blaise Goumou. Quoi, Wadia de trait, Kaliadia trait, et Wati Bé. Allez donc, quoi, Amasé, Kaliadia, Abana, Aida, Insuction. Pour n'y voir pas, ou là, le capot, ou Kera.
Si le président autorise, je vais vous saluer d'abord. Vous pouvez répondre, si vous pouvez répondre directement. Très bien, oui. Qui est diabétique? Braise parle très Kaléani. Braise, c'était chez lui à Kaléa. Kaléa, c'était chez lui. D'abord, on y a rappelé la main. Hein? D'abord, ce que je vais nous rappeler. À quel service qu'il a été malade, on a plusieurs années. Il a servi dans ce pays il y a plusieurs années. Président. Capitaine Moussa Nani Masayala. Président Capitaine Moussa, quand il est venu au pouvoir, le peuple l'a acclamé quoi. C'est le peuple qui l'a acclamé. Donc ni peuple fana massacré là. Si le peuple, ce même peuple est massacré, donc Aïka Kanka fini à fond. Ils doivent dire la vérité. Laisse n'allez qu'à faut pas aller tout au la Kalia bon, vraiment. Si Blaise dit que lui ne partait pas à Kalia, ça c'est difficile. À quelqu'un qui a tué un fois, alors Aramadien s'y va à ce niveau-là, quelqu'un qui a tué un fois. Il doit dire la vérité. Pour un être humain, à un certain âge, si vous arrivez à un certain âge, c'est la vérité qui se voit. Il partait. Monsieur Blaise Gomes, est-ce vrai que vous étiez fréquent, comme l'a dit M. Akalia, comme l'a dit M. Mamadi Soumaoro? Bon. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je suis véritablement maître. Cette affaire de Kaléa, je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de Blaise par rapport à ça. Quand je suis trop miné, affaire Kaléa, il m'a long à mon effet, Blaise ma femme. Il parle sans rapporter des preuves. Mais moi, je vais vous parler avec des preuves en appui. Oui, il y a des choses qui sont très importantes. Et comme il a si bien dit que, au temps du CNDD, moi, au temps du CNDD, j'étais un académicien confirmé, lieutenant de Galon, comme on le dit. A quoi, CNDD, Wati, quoi, CNDD, confirmé, lieutenant de Galon. Monsieur le Président, honorable assesseur, quand je suis rentré de Dakar, comme je vous l'ai dit, j'ai été affecté à Kaléa au temps de l'Ansalaponte parce que je suis venu trouver des recrues là-bas. Nous donc, avant que je sois à Dakar, à Kaléa, l'Ansalaponte ou à Tilité. À Karekir, comme Karekir, d'autres. Le chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale m'a affecté à Kaléa en qualité d'instructeur. Chef d'état-major, ou la adjoint au Kankorosi, au Kanawaye, qu'on y a un instructeur de lui. L'acte a été versé au dossier, l'acte de ma désignation. On ne peut jamais aller dans une école sans être muni d'un acte de désignation. C'est un dommage. C'est un dommage. Kanawaye, administration Koloma, moi tu sais, voilà, tu sais. Vous savez, vous payez dossier. Deuxièmement, à Filana. Après la formation, la formation banque. Comme l'a si bien dit le général Bandé, quand il est venu, parce qu'il y avait un besoin criard de personnes dans la cité, il a sorti les recrues et sa congédée à l'arrivée du CNDD. Moi, j'ai bénéficié d'un acte d'affectation aux services spéciaux. Le 16 mars 2009. Général Bandé, il a été fait pour moi. Il a été fait pour moi. Il a été fait pour moi. Il a été fait. Et si vous vous rappelez, monsieur le procureur, vous avez demandé à Kaléa la chronologie de l'arrivée des recrues du CNDD. La réponse vous avez été remontée. Il est mentionné clairement que les premiers soldats sont arrivés, les premiers soldats du CNDD sont arrivés à Kaléa en juillet 2009-2010. Alors que juillet 2009, moi j'étais déjà au service de mission. Aïka Yinikadi qui est Fokker Naitoloyara, Aïka Yinikadi qui est Miemol Waraye, Aïka Réunion Konyaïma, pour Aïla Rekri Waraye 2009, et la Katrène Gereye service spécial, on ne peut pas avoir. Ça c'est le premier point. Colonel. Deuxième point, je peux vous affirmer que c'est ma première fois de voir
On m'a dit sur ma route. Dans ma vie, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais rencontré. Et lui, s'il dit qu'il me connaissait, moi je dis que ce n'est pas vrai. Je vais vous prouver par A plus B que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Parce que preuve, à Flananda, fort. Ta foi n'est pas follement telle que maintenant il ne faut pas le planter donc. Tu es tard, tu es mal au cœur, pour dans les propos. Pour vous prouver, monsieur le président, honorable assesseur, qu'il ne me connaît pas et que moi je ne l'ai jamais vu, lors de son passage, il a dit que je partais à Calais, j'arborais Béret Rouge. Monsieur le procureur a fait sortir des photos, une photo. Il dit, ah, vous dites que Blaise partait là-bas, Blaise Rouge. Il dit, oui. Est-ce que vous le reconnaissez ici? Ah, oui, oui. Allez, les gens, ça a dit que c'est lui, même, c'est lui, frère, frère, c'est lui qui partait là-bas. Alors, monsieur le président, honorable assesseur, je viens de vous le dire, il s'est trompé de la personne. La personne là, qui dit que c'est cette personne là qui partait à Calia, cette personne, c'est pas Blaise. Voilà cette personne à l'extrémité droite, le capitaine Moussa Dadis Traoré et Moussa Dadis Camara, qui est en cortège avec ses éléments de salon. Si je mens, monsieur le président, et je lui ai dit que je ne vais pas partir. Je suis en train d'éclaircir la lanterne de votre tribunal. C'est bon, c'est voilà. Bon. Monsieur Moussa, Dadis Camara peut venir tout de suite. Il va vous dire le nom de la personne qui est sur cette photo. S'il dit que c'est Blaise, tout ce que je vais vous dire, vous ne vous croyez plus. Donc c'est il bon. S'est trompé de la personne, c'est pas moi. C'est bah, bon. Qu'à faire quoi, quand on est donc à Kumaraya, avec un sebe dola, avec un photo, il a kala. Avec un moto, avec un main, il a pas très wala, les fofula ou, pas très bien, il a fofula ou les béret rouge. Avec un moto, il a kala, il a un peu, il faut aller les gens, comme un peu, il faut aller les gens, 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 il ni Moussa Dadis Nara, si c'est, allez moi le fana, il faut aller les gens, il faut aller les gens, il faut aller les gens, il ce que je peux vous dire, photo de la haute volée là. Ah, celui qui a sur la photo là-bas, vous pouvez l'appeler, il peut venir. Ça, c'est un. Appelant. Deux. Ni Blaise Kafoua, les deux la Calia. Si Blaise lui dit que lui ne partait pas à Calia. D'abord, Calia était commandé par les gendarmes. D'abord, Calia était commandé par des gendarmes. Armée. C'était pas l'armée. Armée Sita Krama, comment Calia était venu. Aucune personne de l'armée ne sait comment Kalia était. Voilà, ni Blaise qui se sont parlé de la Kalia. À ma branle, parce que à la chef de l'entamine, il y a au moins parce que il est très Kalia géré là. Bon, si Blaise dit qu'il ne partait pas à Kalia, moi je ne suis pas surpris, hein, parce que ces chefs qui sont succédés, ils n'ont pas reconnu que c'est eux qui géraient. Voilà, j'en ai un chef qui t'amène au moins faut qu'il ne les traite. Les gendarmes, les chefs gendarmes qui sont venus ici, ils n'ont jamais dit que c'est eux qui commandaient Kalia. Donc, moi, je m'en dors au feu, tu sais où il y a là. Amandé l'homme, probablement, qu'à foyer à Mandor. Moi, je dis, il n'y a pas beaucoup de déclarations. Je dis, au premier acte, vous ne me connaissez pas. Je n'ai pas l'intérêt de mentir sur mais après, voilà, rassemblement créé là. Il partait, il créait rassemblement là-bas. Comme Ebra Lombi, il faut m'entamener, c'est très grave. Pourquoi il a peur aujourd'hui? Parce qu'ils savent que ce qui sont passés là-bas, c'est grave. C'est pour cela que tout le monde a opté pour la délégation. Ah, celui qui est sur la photo là, vous pouvez le faire venir. Hein. C'est ça? Oui. Monsieur le Président, encore une fois de plus, je ne partais pas à Calia, j'étais au service spéciaux. Voilà. Allez, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Présent pour quoi qualité. C'est bon. C'est bon. Présent pour quoi qualité. Oui. Monsieur Snorro. Également dans vos déclarations ici, lors de votre passage, vous avez dit que Monsieur Blaise Gomou portait arborait des bureaux. Oui, tu vois, mais quoi, il a 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 qu
Est-ce que vous le confirmez? Est-ce que Ibarokuma ou Banalo? La Guinée est belle au moins. Toute la Guinée est unanime sur ça. Ils portaient les vêtements. Ils ont fait une sur la Jara Ouattuola. Tout ce qui était dans l'armée, ils savaient en ce moment que c'était ça. Non, oui, là, là, là. Je vais bâtir sur lui pourquoi. Quand il venait au rassemblement, il arborait le béret rouge. À Tumbaké, dans le rassemblement, on pourrait venir pour les vignes. Ah, les t-shirts noirs très belles. Oui, très belles rouges, là, non. Même ceux qui portaient les t-shirts noirs, là, certains portaient des bérets rouges. Voilà les morts. Mais ce n'est même pas, ce n'est pas lui, en tout cas, même d'autres personnes. Monsieur le procureur, encore une fois de plus, je vous dis que je n'ai jamais porté de béret rouge dans ma vie. Hey. Je n'ai jamais porté de béret rouge dans ma vie. Et le port de béret rouge est réglementé en fonction des services d'appartenance. Au service, vous l'habitez, vous l'avez dit. Ah, les traves, là. Mais toi, tu portais. Hein? Je vais vous dire, monsieur le procureur, après ici, certainement, si tout se passe bien, j'irai à votre bureau, je vais vous donner les instructions écrites qui réglementent le port de l'uniforme que j'ai reçu à Dakar pendant ma formation concernant les infractions d'ordre militaire. On ne peut jamais se permettre d'arborer une tenue militaire tant que le service pour lequel vous servez ne recommande pas. Alors il n'y a qu'à dire quel est le service qui nous a arboré, qui nous a doté en blé rouge. Bon bah, quand on arbore un niveau là, bien là, car il a qu'à il a sérieux mis à l'opinion, mis hier sur la sérieux l'opinion, oui, mais bien là, bon, quand on y a, faut pas se faire l'opinion, vous dites là. Eh bien, monsieur le procureur, un instant. On ne peut jamais être plus royaliste que le roi. Notre chef de service est venu ici, vous l'avez demandé. Il dit que mes éléments ne portaient pas blé rouge. Certains nous trouvent les moyens pour lui dire, non, vous ne portiez pas blé rouge. Mais vos éléments portaient bleu rouge. On portait bleu rouge, on portait sur. Quel insigne sur les bleus rouges? Un. Deuxièmement, quand l'on est venu, il a décliné l'offre. Il a dit qu'on ne portait pas. Celui qu'on est venu, il a dit qu'on ne portait pas. Mais depuis que cette affaire de photo là est apparue, je ne sais pas, c'est venu d'où, tout le monde s'accroche. À Blaise. C'est bon. Pour prouver que. C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur le président. Vous répétez les mêmes choses. Non, c'est ce que je veux dire. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Sans oublier que cette affaire de Béry Rouge a été longuement débattue. Voilà, donc c'est pourquoi je vous arrête. Merci. Voilà, c'est pas la première fois qu'on en parle. Merci, monsieur le président. Merci. Vous avez dit que vous ne portiez pas de téléphone. Je ne portais pas. Voilà, donc voilà. C'est ça. Et ça, c'est pas ma faute. C'est bon, s'il vous plaît. Le président peut confirmer. Parti civil. Défense. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je pense que c'est clair comme de l'eau de roche. En tout cas, les détails donnés par M. Blaigoum. J'aimerais juste, comme il vient de le dire, la photo qu'on a exhibée, la personne qui se trouve sur cette photo, qu'on présente comme étant le colonel Blaise, la personne se trouve dans un cortège du président Moussa Dadis Camara. C'est une question. Juste, c'est une demande que j'aimerais poser. Si c'est des demandes, ce n'est pas le moment des demandes. Si s'il vous plaît. Si vous permettez, monsieur le président. S'il vous plaît, c'est pour poser. Je vous dis que c'est pour poser des questions. Si vous avez une question. Monsieur Soumaro.
Monsieur Blaise Goum a produit des documents qui prouvent qu'en 2009, il n'était plus à Kalea. Je suis au Blaise Goum, je suis en train de faire pour 2009, je suis en train de Kalea. En tout cas, la défense de M. Blaise a produit des documents en la matière, notamment la décision de la mise à la disposition du colonel Blaise au service spécial chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et cette décision date du 16 mars, comme il a dit, 2009. Signé du général Bandé. Au général Bandé, pour le nom de chef d'état-major, la gendarmerie nationale d'alors. Maintenant, comme vous dites que le colonel Blaise fréquentait Kalea, c'était celui. Est-ce que vous avez, à part de vos simples allégations, est-ce que vous avez des documents pour contredire les documents produits par le colonel Blaise? Quoi le courroie très voilà car il y a ouatité. Koni ikumakang bansante. Koni sebe duri ibolo. Min disen ala kana sebe ali la sebe ikumakang bolade. Comment tu viens? De vous dire maître. D'abord, aka la chef mémoire. Madame le général parle de mankana. Où les folo kaja parle dedans? Les chefs dont vous parlez là. Le général Baldi et autres là, c'est eux-mêmes qui ont formé la trahison de vous. Voilà. Au point, parce que dans les trois cas interdits, Kobe, il n'y a pas de béret rouge. Si lui avait fait l'interdiction de ne pas porter le béret rouge, il n'allait pas le porter. Alors, Kalea était commandé par les gendarmes, l'armée qui était, les trahis. Kalea était commandé par les gendarmes, ce n'était pas l'armée blanche qui était. Papier fabrication à auto à très. Les papiers fabrication là, laissez ça. Je pense que ma question n'a pas été répondue. C'est dit. Alors, chef, vous tenez un temps, il fait quoi? Ils n'ont pas raison. Les chefs là, ils n'ont pas raison. Ce que je voulais vous dire. C'est dit. Est-ce que vous avez des documents pour contredire les documents que nous avons produits? Ou bien est-ce que vous pouvez prouver la procédure alors du document que nous avons produit? La témoignage Kabo et la papier. Moi, mon témoignage est plus grand que vos papiers là. Votre seul témoignage, votre seul d'allégation ne tient pas. Parce que Blaise a été clair là-dessus. Comment quand Bansan ne voit pas? C'est bon. Mon colonel. Il y a eu une demande qui a été adressée par le parquet à l'acteur directeur du centre de formation de Kalea. Et ce dernier a produit la chronologie, en tout cas des différentes formations, des encadreurs. Et à la colonne 2, intitulé juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Est-ce que vous avez vu votre nom dans cette colonne? Bon, on a comme l'impression que ça a tout l'air d'un interrogatoire maintenant. Vous posez une question, s'il vous plaît. Vous posez une question à M. Soumaoro, vous posez une autre question à M. Blaise, parce que ce n'est plus la même question. Donc ça prend l'air d'un interrogatoire. Ce n'est plus une confrontation. Détermine. Mon colonel, est-ce que en 2009, au moment où vous étiez déjà au service spécial, est-ce que vous aviez une fois mis pied au centre de promotion de carrière? Merci beaucoup. Je n'ai jamais mis pied à Kalea. C'est bon. Faire quoi que ce soit. C'est bon. Et quand est-ce
Vous avez fait la connaissance de M. Soumaro. Je n'ai jamais connu dans ma vie. En 2009, c'est très qui s'est la Kalia. Comment se passer l'autre Quoi, M. Soumaro, quoi, Jérémy, non, alors, il fait aller sur la main. Laisse-moi, s'il vous plaît, ce n'est pas une question pour vous. Pour le moment. Il a dit que oui, vous ne connaissez pas, mais vous partez au camp. C'est pour vous dire que. C'est bon, vous n'avez pas la parole. Vous avez répondu à la question qui vous a été posée, parce que ça prend l'air d'un interrogatoire. On reprend l'interrogatoire. Il n'y a plus rien à dire. M'arrête là. C'est vrai, il ne faut pas qu'on confonde. On a déjà fini, s'il vous plaît, on a déjà fini avec les interrogatoires. C'est sur les points, je ne cesse de le rappeler, c'est sur des points de divergence. Et la confrontation, la question qui doit être posée, c'est pour les deux. On ne peut pas poser une question à l'un, une autre question à l'autre. Ça ne peut plus aller. Si vous n'avez plus de questions, c'est bon. On va avancer, s'il vous plaît. Vous avez dit que vous n'avez plus, que vous avez fini, que vous n'avez plus rien. Je ne voulais pas bléder le départ. Si le tribunal me le permet. Ce n'est pas la période des demandes, s'il vous plaît. Ça peut davantage étayer. Est-ce que vous avez fini avec les questions? Le point des périodes, monsieur le président. Est-ce que vous avez fini avec les questions? Avec les questions, c'est fini. Voilà. Mais si je peux juste. Vous pouvez rejoindre. Pour davantage éclairer ce point, monsieur le président. Vous n'avez plus la parole. Monsieur le président. Je demande à votre chaleur. Rejoignez vos places. Vous dites ? Non, c'est fini. On a fini avec vous. Vous n'avez rien à ajouter. Merci. Rejoignez beaucoup. Vos places. Monsieur Mamadou Lamine Sall. Monsieur Paul Mansa Gilavodi. Ministère public. Merci, monsieur le président. Distingués assesseurs. Nous avons sollicité la confrontation de M. Mamadou Lamine Sall à l'accusé Paul Mansa Gilavodi. M. Sall, lors de votre passage ici, vous aviez dit qu'au lendemain des massacres, alors que vous étiez à la recherche de votre ami Orka Ba, vous étiez rendu au camp Koundara en compagnie du lieutenant Paris. C'est là où vous avez été intercepté, séquestré avec d'autres pour être torturé. Et parmi vos tortionnaires, vous avez mis un accent particulier sur l'accusé Paul Mansa Gilavodi. Alors, la question, vous allez nous dire en deux mots la nature des tortures que vous avez subies et quel a été le rôle joué par l'accusé Paul Mansa Gilavodi. Oh, Fendo, il y a une autre. Vous avez un corps. Il y a un autre qui est un camp. Quand Paul Mansa Gilavodi, il y a un autre qui est un Yawadi on lette bui, on non e lette bui. Ender mdo, wano be lutude ben Paul Mansa Gilavodi harino tawa. Yon hare be humba ko non e hondu, e lette kanko wada yon tili tili kanko Paul Mansa. Paul Mansa, awa angaba sebe. Gi fe kuye ba, esigane manyera re, esigane korka fende. E naka siga, esa so wota makam. Dezo wo age tila meni, Les genres de tortues. D'abord, c'est laissé jusqu'à à une nuit avancée pour nous venir nous traiter de rebelles, nous dire qu'ils sont des rebelles.
D'abord, au moment où on veut dormir, on veut, il vient crier sur nous. C'est tout? C'est ce qu'il a fait? Ce n'est pas ça seulement. Mais allez-y. Traduisez d'abord pour le tribunal, après maintenant. Parfois, le colonel Aïdor se réveille et dit, dis donc, cesse de faire ça. Ben de voir si taille à Tchalwal Gossiban le suivait et n'a pas de oui, si vous êtes là, si tu ne laisses pas de faire ça, le lendemain, je vais dire ça à Bégré. Bien, pour le moment, vous avez dit simplement que M. Paul vous traitait de rebelle. Et pendant la nuit, vous priez dessus. C'est ce que vous avez dit. Est-ce qu'en dehors de ça, il a fait autre chose? Quand il est venu avec la bière aussi sur nous, on s'est insulté entre nous. Il t'a béré fangir ses démons à ouvrir au combiné. Si je peux dire tout. Mais pas nous Quand je suis discuté avec lui ce jour-là, il a dit qu'il allait verser la bière sur moi. Bon, c'est en ce moment que moi je l'ai dit. Si tu me verses ça, je vais arracher l'objet avec lequel tu urines. Là-bas, ce jour-là, c'est jusqu'au là. C'est tout? La nuit. Donc, monsieur le procureur, si vous avez relevé des points, dites ces points de contradiction entre les deux, parce que à cette allure-là, il risque de revenir carrément sur toute l'audition qui avait été faite. Non, monsieur le président, vous permettez, je lui ai posé la question qui nous précise simplement la nature des tortures qu'il a subies. Ça nous permet de poser la même question. Parce que vous avez dit plusieurs fois, c'est tout. C'est tout. C'est pourquoi on vous le dit. Si vous-même vous avez relevé des points, vous pouvez leur opposer les deux ces points. Je ne peux pas le guider, justement. C'est pas moi de le guider. Je lui pose la question parce qu'il est passé ici, il a déjà parlé, il sait ce qu'il a dit ici. Je veux simplement lui dire ce que Paul a eu à faire et je repose la même question à Paul. Donc, il a dit que Paul l'a traité de rebelle, que Paul lui a crié dessus et également, comment t'appelles-tu? Il lui a versé du vin. Est-ce qu'en dehors de ces trois cas de torture, il y a eu autre torture? Eh bien, Paul lui est nima. O findini ma jemma o sonki e ma o fanno hikule bere ma badi du don fus o lette go wada ka ko pa kine le mesar bon c'est le fait de nous superposer aussi voilà ça fait 4 ko ni nay c'est tout imam ne sama ne e boro fari nani en dena nek. C'est tout? C'est ce qu'il vous faisait? Là-bas, c'est ça. Bien.
Alors, M. Paul, vous avez suivi M. Sall. Est-ce que vous aviez commis ces actes-là? Paul, il va mais est-ce qu'il y a rien à faire qu'il n'y ait pas de Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin. On louange à Dieu. Il a envoyé un fille qui. Celui qui parle comme ça. Alors, voilà, est-ce qu'il y a un Makambo? Ce qu'il a dit, qu'il a été à Makambo, c'est vrai. Pas où il y a eu tout le monde, pas où il y a eu tout le monde, pas où il y a eu tout le monde. Mon frère, parce que nous sommes dans la terre. Pourquoi? Parce que moi, je suis à la porte. Si on nous dit, madame Alioune. Il faut que je me dise, je suis. C'est moi qui dépasse là-bas pour rentrer. Qu'il fait nader à ce qu'il fait, il ne pourra pas aller du technique. La distance qui sépare de la porte pour notre base, c'est un peu distant. Moi, je garde 24 heures. Quand on est 24 heures, notre cas, c'est 8 heures à 8 heures. De 8 heures à 8 heures. L'onde, il faut aller. Un jour, ceux-là sont venus, sont passés, nombreux. Il y a un qui pleurait parmi eux, je ne sais pas celui qui était. Il y a un qui pleurait parmi eux, je ne sais pas celui qui était. C'est le bras qui était déplacé. Et nous avons tout le monde qui va là-dedans. Tout le monde qui va fonctionner. Moi, je vais tout le monde. Quand ce dernier a crié, ils sont passés. Ma faction, quand moi j'ai terminé, du bâillon dans le mur, mon amour, 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 mon amour. Alors, quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé ce gars-là qui pleurait, je suis monté, j'ai trouvé, mais je ne peux pas le reconnaître parce qu'il y a longtemps. Ah, c'est avec votre permission, je. Est-ce que vous avez torturé M. Mamadou Labissi? Je ne l'ai jamais torturé. Est-ce que vous avez remarqué sa présence au camp Koundara? Est-ce qu'il y a eu ça à Oumana? Pourquoi j'ai dit que j'ai remarqué? Parce qu'il y a eu la déclaration. Parce que dans sa déclaration, il avait dit qu'il m'a vu offrir de beurre de qualité à quelqu'un. Donc vous êtes convaincu, c'est là-bas que c'est à cause de ça que j'ai dit qu'il a été là. Donc s'il m'a connu, c'est ce jour-là où j'ai offert le beurre de qualité. Parce que quand j'ai acheté ça, c'est un petit que j'ai fait. Bien, c'est bon, vous avez déjà dit ça. Donc vous êtes convaincu que M. Mamadou Lamine Sall est passé au camp Koundara? C'est pour cela que j'ai convaincu. Quand il a dit que j'ai offert du beurre de qualité, c'est pour cela que je suis convaincu qu'il a été. Voilà. M. Mamadou Lamine Sall, est-ce qu'il s'agit bien de ce sergent Paul? Est-ce que c'est bien lui? On charge Paul Moïse Netako. C'est lui-même. Merci, Monsieur le Président. Parti civil. Défense. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Encore une fois, nous sommes satisfaits de ce qui vient de se passer. Je vais m'adresser à M. Sall. Et après à Paul Mansart. Monsieur Sall, dans vos déclarations, vous avez tant parlé du commandant Beugue. Votre déclaration, mon demande de voir la fille commandant Beugue. Vous avez dit que parfois Beugue ordonnait à Tanene et de vous donner des coups. Oh, Yamire no Tanene. Et que Tanene à son tour. Choisissait des exécutants. Et dans votre déposition devant le juge d'instruction, votre avocat, Maître Martin Padel, vous a montré des photos où vous avez reconnu un soldat
qui auraient assisté à, aux abus que vous avez subis. Kaidi du monde est donc avocat du moment. Et Altini, et Altini, Mais ici, vous dites qu'on vous entassait. Est-ce que l'ordre provenait directement de Paul Mansa, oui ou non? Aussi très que Paul Mansa y a une règle. Quand il y a un secret dans le camp, là où on était enfermé, c'est lui. Et donc je parle du moment où on vous entassait au mât. On fait le bédé ou tu dis. Oui. Dans la prison là-bas, c'est lui. C'est ce que je vous dis. Donc l'autre provenait directement de lui. Au camp, il y a mis les noms, Paul. Quand on entendait pas. C'est lui qui le faisait là-bas, lui-même. Monsieur Paul Mansa, regardez. Quelle autorité vous aviez pour pouvoir donner des ordres de ce genre? Mangaya Moudine, il est en ordre de modèle ici, mais. Il nous amène comme sergent. J'étais là-bas comme sergent. Simple sentinelle. Simple sentinelle. Au camp, au sergent. Lui, il peut avoir le sentiment de pitié à quelqu'un en prison. Là où nous sommes comme ça, là, il a une petite chambre comme ça, là, à côté. Oh, attends, lui ne peut pas avoir le sentiment de pitié. Je continue. Paul Mansa, on dit tantôt, degré, on parle des talents. En même temps, on parle des exécutants. Est-ce que M. Sall se trompe-t-il sur votre personne? Degré, il n'a pas été tanné, il n'a pas fait par la mafie. Et degré, il a fait par la mafie. Est-ce que vous t'attendez pour manier? Non, madame Fradi. Ce que je peux dire, il a un peu de tout ce que ce dernier a dit, vous formez vous. Nous allons tous mourir. Deuxième jugement, alors oui, maintenant quand vous bébé. Le deuxième jugement, ça serait chez Dieu, c'est plus effrayant qu'il a dit. Si ce dernier me connaissait, nous m'a dit à dire. À Koloma, n'a pas tiré. C'est tout simplement. Le beurre de Carita à quelqu'un, c'est là. Non, là-bas, comme feignard. Ce que j'ai fait comme mal entre moi et mes sept enfants, c'est ça. Mais il a volanté en avant. Or, le Mouni, commandant Mouna, garnison Mouna, secrétaire Mouna. Je ne suis pas commandant, je ne suis pas secrétaire. Qu'est-ce que je peux faire? Au Kanko, pour Sandy, mon cœur pour Wadi Kongo, mon cœur pour Wadi. Monsieur Sam, est-ce que vous confirmez lorsque Paul Mansa dit qu'il a donné du beurre de qualité à un détenu afin de se traiter? Est-ce que vous l'avez vu faire ça? Oui, c'était donc irritable. Paul Mansa, il dit que nous avons dit qu'il n'y a pas de je n'ai pas vu ça de mes yeux. Est-ce que vous l'avez entendu? Je n'avais pas entendu parler de quelqu'un là-bas aussi. De cela. Merci. Merci, Monsieur le Président. Honorable Monsieur Sœur, je vous remercie. Monsieur Sœur. Non. Entre vous et Paul Mansa, votre parole ou celle de M. Paul Mansa? Congol Paul Mansa. Soyez menot d'Amado, Pébendaro, Kambelambo.
Mais s'ils nous ont appelés ici, les chefs, ils sont bien mieux placés pour ça. Ils n'ont qu'à voir de quoi en tenir. Moi, je me dis quelque part que vous êtes victime dans ce dossier. Vous n'êtes pas témoin. Oh, tigi tigi, donc, on a un peu de temps, donc, il a un CD. C'est pas une question. C'est pas une question. Voilà. Donc, à ce titre, votre parole pèse peu. Le tribunal appréciera ça. Allez-y avec d'autres questions. Paul Massa. Maître. Voilà la déclaration de M. Mohamed Lamine Sall. Qu'en dites-vous? Mohamed Lamine Sall, au point il t'a redit. Mohamed Lamine Sall, là-bas, on peut venir. Mohamed Lamine Sall, on m'a accusé. Mohamed Lamine Sall, Tony, là. Là-bas, on peut venir. Au Tony, là. Il m'a accusé. Mais deuxième jugement, là. Monsieur Sall. Ah non, 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 ce jugement-là, nous le savons tous, c'est ce Dieu. Elle est quitte dans la manaka, ou un bilin n'a pas le nez à la barre à la moyenne. Monsieur Sall, nous aimerions savoir vraiment quels sont vos moyens pour convaincre ce tribunal des faits reprochés à monsieur Paul Massa. Oh, quand on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a tribunal qu'on a dit 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 qu'on a le tribunal appréciera ça. Il avait déjà parlé. Maître. Est-ce que vous avez réveillé Monsieur Sall, Mohamed Lamine Sall? Est-ce que Mohamed Lamine Sall est là pour nous? Mohamed Lamine Sall n'a pas fait une équipe. Abangou n'a pas été là. 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 Mohamed Lamine Sall, pour nous, on a fait une équipe. Mais on a là où on gardait, il y avait notre guérite. Il n'avait pas de maison là-bas. Je me suis dit que il y a deux journalistes qui ont été là. Là-bas, il y a la base de la qui a été là. Il y ce n'est pas la vérité, ça. Allons du Mounara. Monsieur Sall. Il a versé la guerre sur lui. Oh, c'était au Hibou Nobert de l'Europe. Il avait l'intention, il avait commencé comme ça. Dès qu'il a dit, je l'ai fait quelque chose, je l'ai parlé de quelque chose, il le faisait. Il a cessé. Ce n'est pas qu'on a regardé. Si je me suis tu là-bas, il allait verser ça sur moi. Hein. C'est parce que c'est ma réaction qui a fait. Donc, quand vous avez menacé, il n'a pas versé le billet. Non, si je n'avais pas fait cette déclaration, il allait verser le vin là sur moi. Alors, parle-moi ça. Maître. Alors, il faut que nous nous avez-vous tenté de verser la bière? Avec Wane Béré, Finifama. Mais tu dis là, on va finir avec Béré. Ce que lui dit là, l'affaire de bière là. Tout en depuis que baptisé. Depuis que moi je me suis baptisé, non, Béré, j'ai interdit la boisson. Au camp. En Angola, ça fait un mot qui. Alors, tout d'or. Au camp, cocao, baptisé. Moi je suis chrétien, mais moi, tout en baptisé, vu que moi je suis baptisé. Vous verrez le moment où il y a des moments, tant en dehors. Je suis satisfait par rapport à ce point. Oh, quand on vraiment on a dit moi. Je suis étonné quand tu dis que j'avais commencé, j'avais eu l'intention de verser la bière sur moi. Mais c'est ça. Non. Le fait de vous superposer, vous dites que c'était lui seul qui était là-bas, non? Là où vous étiez. Quand on dit aussi dire non, c'était quand on tout le monde est là, quand on tout le monde so heavy, can't go. So can go on a tongue.
S'ils arrivent là-bas avec un jeune. Vous pouvez rejoindre vos places. Même si je devais parler, hein? Bon, je ne sais pas ce que vous voulez parler. C'est pour poser des questions. Oui, bien sûr. Allez-y. D'abord, pour vous féliciter pour la technicité avec laquelle vous tenez ce débat. Parce que là, nous sommes dans un aspect technique, hein, ce n'est pas un interrogatoire. Là, il faut vous féliciter. Je salue aussi la sagesse du ministère public, mon adversaire universel. Paul Massa, monsieur le président, vous vous rappelez toutes les choses, c'est pour que vous dites, passons, c'est bon. La défense de Toumba avait décidé de voler à son secours. Nous le faisons. Monsieur, là-bas. Est-ce que vous savez que lui, il a été arrêté dans un garage? Je ne sais pas ça. Son lieu d'arrestation, il était dans les mêmes problèmes que vous. Où vous avez été arrêté, Paul Massa? Garage ou garage? On m'a pris dans des garages. Vous avez été sauvé à cause de quoi? À cause de parce que j'ai détenu. Tu as dit que tu es Guilavondi. Parce que je suis Guilavondi, il a nous sauvé. Est-ce que vous le savez de l'autre côté? À cause de le fait qu'il soit Guilavondi, c'est ce qui. Il a été sauvé parce qu'il était forestier. Et toi, tu dis au photo de Mikara, Nana, Aïe, Nana, tu diras ça. Est-ce qu'il n'y a pas erreur sur la personne? Est-ce qu'il y a mon tantan? Ah, pour moi, tu as mon faillite à mon béfan, non, non, non. Oh, il est trop tard de se répartir. Est-ce que vous n'êtes pas trompé? Est-ce qu'il y avait un homme, Fadja? Oui. Moi? Oui, au non. Ce n'est pas la nuit, hein. Ils ne sont pas là dans la rue maintenant. Il faut la déverser sur Pierre Yomba, Paul Yomba, il va la boire. Est-ce que ça vous envoie à l'enfer? Quand on verse la bière, ça vous envoie à l'enfer? Oui, c'est bien, hippie. Non, mais c'est bon, ça n'a pas d'importance. Question. Est-ce que celui-ci, vous ne le savez pas, il souffre à cause de ce que, au Rassemblement Général, leur
lorsque le chef d'état-major, il est devenu chef d'état-major général des armées, a humilié son papa, c'est lui qui a rectifié au rassemblement général son papa. Est-ce que vous savez ça? Bon, ce point n'intéresse pas cette phrase. Non, mais la question doit revenir à l'autre. Est-ce que ce n'est pas votre problème? Si vous êtes là aujourd'hui pour le massacre, ce n'est pas ça le problème? C'est ça le problème. Merci, monsieur le président. Vous pouvez rejoindre vos places. Monsieur Kerno Souleymane Baldé. Monsieur Mamadou Kali Diallo, Monsieur Moussa Kéboro Kamara, ministère public. Merci, Monsieur le Président. Silence, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Nous avions voulu également une confrontation entre Maître Pierre Souleymane Kadé, Monsieur Kali Diallo et l'accusé Moussa Kéboro Kamara. Maître Baldé, après les massacres du 28 septembre 2009, au nombre de 11 activistes, vous vous étiez retrouvé à la maison des jeunes de Vixinport pour protester justement sur la manière avec laquelle cet après-massacre était géré. Et vous dites que, aux environs de 20 heures, Colonel Kéboro et ses hommes sont venus vous enlever pour vous conduire à leur service au camp Alpha Diallo. Là où vous avez séquestré et torturé. Vous allez nous dire en deux mots comment cet enlèvement a eu lieu et la nature des tortures que vous avez subies au sein de leur service. Merci beaucoup. Je tiens juste à préciser, nous avions organisé une grève de la faim pour dénoncer non seulement la violence, mais aussi exiger à ce qu'il y ait des négociations entre les différentes parties pour éviter de nouvelles violences. Donc, avant même que nous organisions la grève de la faim, bon, vous pouvez nous dire l'essentiel, s'il vous plaît. Vous avez déjà expliqué tout ça. Oui. Dites-nous l'essentiel. Tout à fait. Donc, on avait informé tout le monde et nous avons organisé la grève de la faim. Le premier jour, ça s'est bien passé, comme je l'avais dit. Et c'est vers 20h, nous étions à l'intérieur de la salle, couchés sous des matelas. La porte n'était pas fermée à clé. Et il y a Colonel Kéboro qui est venu devant nous et je suis content de le regarder, de le voir en face. Il a défoncé la porte avec ses hommes. Il est rentré. Ils sont jetés sur nous. Ils nous ont tiré certaines personnes par les pieds, d'autres par les mains. Ils ont traîné de la salle jusqu'à l'extérieur où des pick-up étaient garés. Comme si nous n'étions pas des êtres humains. Comme si nous avions commis des crimes abominables, alors que tout ce que nous demandions, c'est la non-violence. On n'aurait jamais pu imaginer un activiste qui demande la non-violence, qui organise une grève de la faim, soit traité de cette manière. Et une fois à l'intérieur des pick-up, comme vous le savez, il y a les bancs où les gens s'asseyent, et en bas, on nous a fait asseoir. Ils sont montés, ils ont mis leurs pieds sur nous. Même si c'est des animaux, ils ne l'auraient pas fait. Les insultes, je ne le répéterai pas. Il nous a envoyés au camp Alpha Yaya Diallo. Arrivé sur place, devant ses bureaux, il a demandé qui était le chef. J'ai dit chez moi. Il dit ah oui, c'est toi qui viens s'aimer le trouble ici, tu vas le regretter. C'est quoi une grève de la faim? C'est une forme de terrorisme moderne. Je répète mot par mot. C'est une forme de terrorisme moderne. Il a ordonné à ces gens d'envoyer des pains. Et je précise des pains libanais.
parce que c'est différent par rapport au pain tapalapa. C'était le pain pâte avec du camembert. Il nous a dit, vous avez deux options. Soit vous mangez, ou bien sans coup sur les fesses, vous choisissez. Je pense que la question n'a pas tardé à avoir de réponse. Nous avions tous les mains sales puisque nous avons traîné dans la boue. C'est avec nos mains sales qu'on a ouvert les boîtes de camembert, on a mis dans le pain, mais on ne pouvait même pas manger en fait. Mais on n'avait pas le choix. Il fallait avaler. Puisque si tu n'avales pas, tu sais exactement ce qui t'attend. Il nous a fait avaler certains morceaux de pain. Et ensuite, il nous a mis dans un conteneur qui était posé juste devant ses bureaux. En face de ses bureaux. Comme si nous étions des animaux. Et à l'intérieur, il n'y avait des personnes. Il n'y avait rien à l'intérieur à part des cartons que les États-Unis avaient mis sur place. Et quand nous sommes arrivés à l'intérieur, ils nous ont fermé la porte comme si nous étions des marchandises. Aucun aspect humain, aucun sentiment. Les détenus qui étaient à l'intérieur, il y a Alain Dantré qui a commencé à le menacer. Heureusement, le second détenu l'a empêché. Il a pris le carton qu'il avait avec lui, il me l'a donné, il m'a demandé de me coucher sur place. Et quelques minutes après, il y a des agents qui sont venus me chercher, moi et Maître Christophe Conné, à l'intérieur du conteneur. On m'a envoyé dans une salle où il y avait une chaise, mais une chaise roulante que je pouvais tourner. Il y avait un civier. L'interrogatoire a commencé. À chaque fois, quand il pose une question, la première chose d'abord, c'est qui nous finançait. J'ai dit, nous n'avons absolument aucun financement et nous n'en avions pas besoin puisque les moyens que nous avions utilisés pour organiser la guerre de la faim, ce n'étaient pas des moyens considérables. Ils ont dit c'est faux, que nous étions financés par d'autres personnes. Et il fallait l'avouer. Dans le cas contraire, nous allions subir les conséquences. Et si la question n'était pas satisfaisante, c'était des gifles et des insultes. Ça a duré, si ma mémoire est bonne, à partir de 21h30, comme ça, jusqu'à 2h du matin. Et je ne pouvais plus. Je leur ai dit, bon, vous arrêtez, vous écrivez tout ce que vous voulez et je signe. Ils ont écrit ce qu'ils voulaient, ils m'ont donné, j'ai apposé ma signature. Malgré cela, il y a l'un des hommes qui a continué à me frapper. Il y a un second qui lui a dit, non, non, arrête maintenant. Ils m'ont reconnu à l'intérieur du conteneur. Il y a, je ne sais pas ce qui s'est passé à mon absence par rapport aux autres, mais il y a des gens qu'on cherchait et ramenait. Et le lendemain matin, ils ont fait sortir tous devant le bâtiment principal. Il y avait le professeur Koutoubou Sano et le colonel Abdoulaye Seri Diaby qui est là. Et j'espère que vous allez l'appeler. Il était présent, les deux. Le professeur Koutoubou Sano nous a dit que c'est capitaine Denis Camara qui l'a envoyé pour nous demander d'arrêter la grève de la faim et que nos revendications seront tenues compte. Ils nous ont pris le camp Alfaya pour nous amener à l'hôpital là, Donka. Parce qu'avec le traitement que nous avions suivi, il y a certains d'entre nous qui avaient des blessures. On nous a alignés à l'hôpital Donka, comme si nous étions des criminels comme on voit à la télé, alignés,
Et les gens me regardent, puisque moi personnellement, je ne porte plus de service. On nous a examinés, il y a eu des soins, et ensuite, Ponce Koutoubousano nous a envoyés dans un restaurant juste au niveau du pont Vinovam. Colonel Diaby, il était présent. Et après, nous devions aller rencontrer Captain Moussa Dadis Camara quand nous faillions. Nous avons attendu pendant une certaine période. Monsieur le Président. Et continue notre état. On va la retirer. C'est bon. D'accord. Bien, merci bien. Monsieur Kali Gallo. Monsieur le procureur. Est-ce que vous confirmez les déclarations de Maître Bernard Suleiman Baldé? Oui, sauf que je reste catégorique, c'était aux environs de 0h. Colonel Thiéboro et les pick-up étaient venus avec une violence hors pair pour nous prendre, nous humilier après avoir traîné. D'abord, on avait sorti les populations, les citoyens, avec le chef quartier. Il vous en souviendra lors de mon passage ici le 3 octobre. Son avocat avait promis de faire passer ce chef de quartier. Parce qu'effectivement, j'avais expliqué, colonel Thiéboro estimait que lui était redevable, parce que c'est en violation de toutes les règles qui doivent gouverner une administration qu'il avait nommé, qu'il avait choisi. Et soi-disant une journée d'assainissement, il est venu, il dit ouais, le chef quartier qui était élu, lui il n'était pas là, il dit je te nomme chef quartier. Malheureusement, j'ai attendu l'arrivée de ce chef quartier pour comparer, et finalement je sais que pour des questions de sincérité, il n'a pas accepté de venir. Voyez-vous, donc il avait mobilisé ce chef quartier avec des populations après avoir nous taxé avec l'eau que nous avions estimé de prendre pendant ces 5 jours-là, des terroristes. Comment des étrangers, vous acceptez ces étrangers ici avec toutes les menaces possibles de nous faire périr et de dénicher tout ce qui avait financé le réseau, les terroristes, ainsi de suite. Il nous a envoyé au camp. Il nous a envoyé au camp aux environs de 1h. D'abord, je précise qu'avec les niches de pain, on était filmés. Je vous en souviendra dans l'esprit que nous devions passer dans la rubrique d'Adicho. Donc, au moment de prendre le pain, il y a les caméras qui sont là, on vous filme. Et après, il nous a jeté dans le conteneur. Moi, pratiquement, c'est aux environs de 2h. On était parti m'extraire dans ce conteneur-là et pour des interrogatoires. La question, il fallait dire qui nous finance, ainsi de suite. Et le lendemain, j'étais là, encore une fois, je le répète, j'ai entendu le premier appel du Miezin pour la loi et on m'a ensuite ramené au niveau du conteneur. Et le lendemain, vers les 5h, on m'a appris, moi, on m'a envoyé dans une cellule climatisé, mais on m'a déshabillé avant d'introduire dans cette cellule où il y avait des présumés narcotrafiquants. Et c'est là que j'ai profité pour appeler l'actuel président de l'OGDH, parce que j'avais appelé le président de l'OGDH, le docteur Thierno Madisso. Je n'avais pas réussi à l'avoir, j'ai appelé le secrétaire général, en ce moment c'était le secrétaire ou le vice-président chargé des conflits. L'actuel président de l'OGDH, c'est en ce moment qu'il a envoyé, j'ai donné le nom, et il a la première déclaration venue de, comme on appelle, de la radio. C'est comme ça que ça s'est venu. Et colonel Thiéboro pensait que, c'est-à-dire c'est de façon clandestine que nous étions là, et il a, avec toutes les menaces possibles, non seulement en violation de tout ce qui est instrument de protection de la personne humaine, dans le respect de sa dignité, il nous a infligé ces douleurs-là. Il nous a infligé ces tortures-là avec toutes les menaces possibles. Parce que vous savez, c'est clair, c'est universel. L'objectif recherché de la torture, c'est d'inculquer la peur, la terreur. Quand on m'a jeté dans ce conteneur noir, c'est que tout ce que je pensais que, en tant que musulman, j'allais périr et que je n'allais pas avoir droit au rite, si vous voulez, funérailles digne du nom.
parce que là, on nous avait jeté. Et il avait dit, hein, il a dit et il a répété, vous allez périr. Et il a juré. Je pense qu'il aurait encore une fois la grandeur de personnalité de dire, d'assumer, je l'ai fait, mais peut-être que ces erreurs, je le regrette. J'aurais compris la personne. Mais jusqu'à présent, et voyez-vous, l'élan pris, c'est beau, voilà. Merci bien. Alors, Colonel Moussa Kebro Kamara. Monsieur le procureur, oui. J'ai suivi M. Baldé. J'ai suivi M. Kali Diallo. Merci. Est-ce que c'est comme ça que les choses se sont passées? Merci, Monsieur le Président, merci, Monsieur les assesseurs. Monsieur le procureur, je tombe de nu. Vous savez, la grosse erreur ou la malchance que j'ai eue dans cette affaire est que beaucoup ont passé après moi. J'étais le dernier, presque le premier. Quand j'étais assis dans le box des accusés, quand j'appelle le cimetière, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de fabulations. Ce monsieur, je ne le connais pas, ni d'elle ni de dame, le seul jour. Cet autre, il n'est même pas observé. Lui est mon témoin. Je vais articuler mes propos sur trois points ou quatre. Le premier point, comment j'ai été informé qu'ils font ce qu'on appelle ici une grève de la faim. Deuxième point, mon arrivée sur le terrain. Le troisième point, une fois au camp Samouri, au camp Fayaya. Et le quatrième point, probablement, si vous donnez le temps, Monsieur le Président, et ça va m'arranger parce que je n'ai pas eu le temps d'en parler. Bon, soyez bref. Oui, je vais être bref. On leur a demandé d'être bref parce que c'est un point, s'il vous plaît. C'est un point très précis. Tout à fait. Donc, soyez bref. Je serai dire à ce que M. le Président. Le quatrième point va s'articuler sur le témoignage. Éventuellement, cette histoire de nomination de chef de quartier. Le premier point, j'étais en ville. N'oubliez pas que je suis logé depuis 2009, j'étais logé à Duxil. Je connais toute la population de Duxil. On coopère ensemble tout, baptême, mariage et tout. C'est dans ce contexte que le chef de quartier m'a appelé un soir vers les 17h. Le marché était encore plein. Ceux qui parlent de 19h, d'autres, et celui-ci parle de 0h. Première contradiction. Peu importe, on va y arriver. J'ai été appelé, je suis venu. J'étais à côté. Je suis venu, j'avais un coffre, c'était la ville, et j'avais j'avais ma voiture de commandement. Effectivement, j'ai trouvé le chef de quartier devant la maison de jeunes, comme il a indiqué. Il me dit, il y a des jeunes ici, ils ne sont même pas de notre quartier, on n'était pas informé en tant que chef de quartier. Et ils sont là depuis presque quelques heures maintenant. Ils réclament une grève de faim. Autorité à l'époque. Et c'est mon quartier. Je suis rentré, je le savais déjà. Le pain a été acheté. Les sardines achetées. Le chef de quartier et les femmes du quartier étaient là autour de la chose. Le marché était encore plein, je le dis bien sûr. Je suis rentré et on a échangé. Comme je l'ai pu faire, moi je suis un spécialiste de négociation des crises et des conflits. Ça, c'est pas commencé aujourd'hui. Donc, je suis rentré. Effectivement, quand il dit que c'est au camp, il a dit je suis tel. Non, c'est sur place là-bas, devant le quartier, devant les conseillers du quartier, ils sont encore tous vivants. On a ouvert le débat. J'ai demandé qu'est-ce qui ne va pas. On vient de quitter un problème le 28 septembre, c'est pas fini. Et voilà encore un problème qui surgit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a raconté, comme c'est le faiseur de roi, il a raconté beaucoup de choses. Des, comme il a dit ici, c'est lui qui a fait le communiqué, c'est lui qui a fait la feuille de route du premier ministre. Il a raconté des choses. Moi, j'étais là, j'ai écouté. Qu'est-ce que vous voulez? Emploi jeune, marché construit, maison jeune construit, ainsi de suite. C'était leur point de revendication. Alors, j'ai dit, on veut rencontrer l'autorité, il n'y a pas de problème. Manger d'abord. Tout ça, nous sommes dans la maison de jeûne. C'est ce qu'ils disent, même si tu dis un bleu gagné, ça ne ressemble pas au colonel Kebro dans tous les cas. Nous sommes dans la maison de jeûne. Je leur demande,
mangez d'abord, parce que peur de la faim, ça peut créer autre chose. Je suis humain. Je connais ce qu'on appelle l'humanisme. Donc, ils ont refusé de manger. Quelques-uns ont pris, il était un homme de, je ne sais pas, 3, 6, comme ça, ou je ne sais pas, 5. Quelques-uns ont pris. Mais lui, il n'a pas pris. Hein. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? Je veux l'apprendre, le chef. Dans la liste. Et le chef a lui dit, il dit, bon, d'accord, on va aller. Il est venu dans ma voiture au camp. Dieu nous voit. Tout ça va finir. Dans 100 ans, personne d'entre nous ici n'est sur terre. Qu'on le peut ou pas. On sera de l'autre côté. Mon père nous disait, si on n'a pas peur de Dieu parce qu'on ne le voit pas, il faut avoir honte de lui parce que lui nous voit. Le monsieur est en train de raconter la fabrication. Peu importe. Le président du tribunal de Seine, c'est dans le stade déjà où il est. Nous sommes partis au camp. Dans ma voiture, j'ai demandé à tous les journalistes dans ce pays, à chaque fois que je me déplace, même dans la rue, quand je vois quelqu'un qui est là, une femme ou quelque chose, moi je laisse vous faire, même des militaires, quand je vois, je calme, je vois. La place est vide, je fais rentrer. Je fais toutes les missions, souvent avec les gens, dans ma voiture. Les esprits. Dans ma voiture. Demande le chef de quartier, il ne dira pas le contraire. Les femmes qui étaient là, vous encore, elles vivent encore, je le souhaite à elles, demandez-les. Nous sommes partis au camp, mais par députation, ils étaient au nombre de 4. En 3 ou 4 jours. Ils sont partis au camp. Arrivé au camp, je l'ai écouté. Comme vers les 18h maintenant. C'était vers les 17h. Hein, allez demander à chose, comme ça, au marché. Arrivé au camp, je les ai demandé. Lui et moi, non, moi je n'entends pas que dans une série, personne ne m'a vu demander n'importe qui. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il ne va pas précisément. Le président a dit, est-ce que alors là, parce que eux, c'est des mortunes. Mais le soir déjà, ils sont au lit. Et nous, on travaille la journée. C'est ce qui était la différence. Il a demandé, il m'a encore déballé le motif. Je lui ai dit, ben, ça ne vaut pas la peine. C'est jeune. J'ai un cadre. Il m'a même expliqué comment il a fait le premier communiqué de CNDD. Et comme il a raconté ici, l'affaire de route du premier ministre, il m'a tout raconté. Il m'a raconté. Comment les gens, comment ils font avec les chefs, comment ils interviennent, ils ont compris tout, ils disent tout ça, c'est bon. L'affaire de pension, c'est Dieu. Il devait être nommé, mais il a refusé, mais il a sollicité l'anticorruption, il avait dit tout ça. Tout un tas de tarala, mais je ne peux pas tout expliquer. Il dit tout ça, c'est bon. Mais il faut qu'on aille dans la paix. Je fais la vision de paix et de stabilité, qu'on aille enfin de l'avant. C'est ainsi, il faut que vous mangez, vous avez plus de manger aujourd'hui. Il était à mon bureau, hein. Lui n'est pas ailleurs, à mon bureau. Donc, après on s'est compris. Il est là, tu es son témoin, tu es mon témoin, je suis une voix. On s'est compris, je lui ai remis 5 millions de francs guinéens, ce monsieur-là. Et maintenant, déjà, quand on regarde même ta déposition, on comprend que c'est un monsieur que nous appelons. Il est tout l'ordre. C'est-à-dire qu'il sait tout, il sait faire tout et qu'il peut vraiment donner son avis à tout. Ce monsieur, il quitte 5 millions, je le dis, entre Dieu et moi, et en me basant sur sa carrière. Mais tous mes serments sont là. Mon frère, tu es grand. D'abord, ce n'est pas un gaucher du 28 septembre, c'est loin. Mais je l'ai accepté parce que. Tellement qu'il n'a pas lié ici. Moi, j'ai dit aux avocats, mettez-lui dans sur la liste là, les confrontations. Il a dit à la face du monde, il faut qu'on vienne s'éteindre. Ce monsieur, c'est là-bas qu'on s'est quitté. C'est là-bas qu'on s'est quitté. Il a pris les 5 millions, pour moi, ils sont partis. Ils étaient d'accord avec les propos que j'ai avancés. Il est parti. Est-ce que la nuit, il a été entendu sur PV? Il n'était pas failli des PV. Ils disent alors, c'est lui qui l'a entendu sur PV. Il est parti, on ne s'est plus revu. Ce temps, je ne l'ai pas vu. Parce que les 3 ou 4 personnes qui sont venues avec moi, qui vivent avec moi, avec une autre, et se voyaient. Donc, je ne peux pas connaître exactement c'était qui. Mais lui, il est observé. Quand je vois sa figure, je comprends. Ce n'est pas ici de venir raconter la vie sur les gens. Le tribunal, on ne peut pas l'induire en erreur. C'est pas possible. Il faut des preuves. Il dit, je viens sur les témoins, il dit qu'arrivé vers
les erreurs, d'après lui, de sa déposition que j'ai prise, hein. Mais les erreurs, si vous regardez un peu, allez sur YouTube, regardez sa déclaration, il avait dit ce jour où c'est noté dans le dispositif que vers les erreurs, que M. Koutou Koustami, le ministre à l'époque général, chargé des gens de fusion, et M. Gabi, qui était ministre de la Santé, sont venus demander à Koutou Koustami une première déclaration fausse. Demandez à Koutou Koustami et M. Gabi, qui est d'ailleurs présent dans ce box-là, si un seul jour, de tout le temps qu'il y a eu à faire aux affaires, au nouveau, à la tête des services spéciaux, ils ont mis pied chez moi. Même pour venir me dire, simple visite de courtoisie, demandez-les. Ça, c'est jamais fait. On parle de conteneur. C'est ridicule. Ce débat, je pense que c'est, comme les gens me disent, c'est acquis au débat. Moi, je pense que j'ai donné ma impression par rapport à cette histoire de conteneur. Seul service qui avait un violon climatisé. Le procureur qui est venu là, je pense que lui, il comprend beaucoup de choses. Parce que quand mon service fonctionnait, les PV qui partaient chez eux, je pense qu'ils ont bien apprécié ces PV-là. Jamais un conteneur à mon service. J'ai conteneur chez moi, non. S'ils se sont trompés, ils sont allés ailleurs, après avoir pris les 5 millions et qu'ils sont rentrés dans le conteneur là-bas, je ne dis pas. À moins qu'ils apportent les preuves tangibles. Donc, les histoires de conteneurs là, ça n'existe pas. Et j'avais le violon libanais. Et ils ne sont pas rentrés au violon dans nos maisons parce qu'on s'est entretenu. Et ils disent que Gabi, contradictoirement, hein, il y a un qui a dit que M. Gabi et M. Koutou sont venus le chercher à 0h. L'autre dit que c'est à 0h qu'on a commencé à solutionner. Il y a même déjà, même la petite déclaration qu'ils ont faite ici, est une contradiction. Non? À 0h, ils ont venu le chercher. Et ils auraient, à cause des violences qu'ils ont subies, morale ou corporelle, je ne sais quoi, parce que ce n'est pas moi qui les ai fait subir ça. Ils disent que M. Gabi et Koutoubou les ont envoyés d'abord à Donka. Heureusement. Donka, c'est une instance médicale. Quand c'est comme ça, il doit y avoir des documents qui suivent cela. Et pour Donka, ils sont partis au resto. Heureusement. Mais malheureusement, je pense que ça a été, ils ont été deux fois. Parce qu'il y a un qui avait dit dans sa déposition, j'ai tout noté, hein, moi j'ai fait des brochures déjà. Il y a un qui avait dit dans sa déposition, au de Donka, la nuit, ils sont partis au camp. Et que, arrivé, chemin faisant, Koutoubou aurait appelé M. Dadis. Est-ce que Dadis n'avait pas pris le téléphone et sans sommet, ils ont été libérés? Il y a l'autre qui dit, je pense que c'est le patron là, et non, c'est monsieur, Gallo qui dit quelque part dans sa déposition devant ce tribunal criminel que c'est du matin de 0h au lendemain matin qu'il a été libéré. Ça y est, c'est noté, et c'est temps. Hein? Allez sur YouTube, c'est du matin à 0h, à 0h que les gens sont partis. Hein? Nous on les a arrêtés à 0h d'après lui. Et que c'est le lendemain qu'il a été libéré. Grave. Lui dit c'est vers les 17h. Certainement c'était deux équipes. Les deux maisons centrales. Les maisons de jeu. Lui dit que c'est vers les 17h, vers les 19h. D'après lui. C'est tout noté. Donc, il y a contradiction d'avoir à ce niveau-là. Peu importe la contradiction. Quoi qu'il arrive, ils étaient dans l'équipe, la même équipe, d'après leur version, malgré qu'elle soit contradictoire. Donc, monsieur le président, il faut qu'on soit un peu logique dans tout ce qu'on fait. C'est important. Ce monsieur, je le connais depuis lors, je ne l'ai plus jamais revu. J'étais là, 14 ans, jour pour jour. Je travaillais. 14 ans, jour pour jour. Je me frottais avec les Guinéens, dans les passages, dans les mariages, dans les services. Ce monsieur, je ne l'ai plus reconnu. Mais quand j'attends ces versions, quand il était là, là-bas, ici, j'étais assis dans ce box-là. Je ne sais pas, ce box-là, c'est une prison, hein, c'est une prison déplacée. Tu n'as aucun droit. Même si tu lèves la main, le président, il va me battre. Vous n'avez jamais levé la main là-bas. Non, non, vous avez... en ce moment, c'était s'il pas possible. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ouais. Personne n'a levé la main là-bas et qu'on ne l'appelle. Et qu'on nous demande, voilà, qu'est-ce qui se passe.
De toute façon, vous avez des conseils ici, si vous voulez faire passer des messages. Vous ne pouvez pas dire que même si tu lèves la main, on ne peut pas te voir. Ce n'est pas possible. Merci, Monsieur le Président. Voilà, vos conseils vont toujours faire passer ici vos messages. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Merci pour la précision. On ne le savait pas, certainement, parce que nous sommes dans un box là. On vous a toujours dit vos droits ici, monsieur Kamara. D'accord. On n'a même pas fini ce procès. Hein. Vous ne pouvez pas commencer à ressortir les petits trucs alors que vos droits vous ont toujours été dit. Je le connais. Quand vous me dites on ne le savait pas, non, c'est comme si vous aviez fait, ça n'a pas été fait par le tribunal et que vous dites aujourd'hui on ne le savait pas. Je veux, monsieur le président, pas pour. Donc restez dans ce domaine-là. D'accord. Je suis d'accord. Dans ce box-là, ne sachant pas qu'on pouvait interrompre une victime ou une soi-disant, ou bien supposée victime. En train de choisir. Monsieur Kamara, j'étais obligé. Monsieur Kamara, oui. Quand vous parliez ici, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Quand vous étiez en train de parler, est-ce que quelqu'un vous a interrompu? Non. Est-ce que vous pouvez aussi interrompre quelqu'un quand il est en train de parler? Pas du tout. Voilà. Donc la pas logique est là. La logique est là. Je suis pour la logique. Voilà. Donc ça, ce n'est pas un argument. Vous avez maintenant le temps pour vous défendre. Oui, Allez-y, laissez. Donc, laissez au boxe alors, je reviens sur nos moutons. Le boxe, beaucoup de choses. Beaucoup. Le faiseur de roi, celui qui a fait ceci, pas important. Ce qui nous concerne. Voilà comment les choses sont passées. Voilà comment les choses sont passées. Et mieux que ça. Et monsieur, franchement, c'est ici, à cette part, il est venu. Ce peuple, il est venu parce qu'il y a eu échange entre nous, verbalement. Et mieux que ça, il est venu de l'argent. Il peut nier, peu importe. C'est bon, Dieu nous voit. C'est bon maintenant parce que vous revenez sur les mêmes choses. Pour finir, le chef de quartier, monsieur le président. Allez-y. Le chef de quartier. Il a fini de dire, c'est moi qui aurais nommé ce chef de quartier. Il apporte des preuves administratives. Un chef de quartier ne se donne pas comme ça. Pour la petite histoire, un jour, vous saviez, à l'époque là, la lutte contre le grand banditisme là, on avait appelé tous les chefs. Regardez, étant venu, on nous a dit, cette histoire-là, on est vraiment débordé avec la criminalité transfrontalière, et même transnationale. Donc, je vais dire transnationale. Donc, il faut que tout le monde s'y implique. Il n'y a pas un chef de quartier. Moi-même, mon propre numéro était un numéro vert. 622-39-39-39. Les journalistes qui m'écoutent là peuvent l'avouer. Pour être vraiment proche des citoyens. Pour que nous réagissions rapidement en cas de besoin. Donc, le chef de quartier étant venu, on a dit qu'il y avait un programme de nettoyage. Et le quartier victime, je ne sais pas ce qui s'est passé, les jeux se sont manifestés, ils ont fait une manifestation contre le chef de quartier qui était un vieux, qui avait presque 90 ans ou 80 ans maintenant. Nous sommes venus là-bas avec le gouvernorat, avec le maire de l'Ile-de-France et le jeune était là. C'est le gouvernorat même qui a nommé ce jeune. Sur l'instruction ou sa demande des jeunes de quartier de Exil. Et c'est vrai. Et quand la demande a été faite, tu as dit, les gens ont applaudi qu'il faut que ce soit lui. Moi, je ne sais pas moi qui l'ai dit. C'est vraiment les journalistes qui étaient là et encore dans la chose, et dans les archives audiovisuelles. Donc, c'est comme ça, le chef de quartier a été nommé. Le gouvernorat était là et tout le monde était là. C'est bon. Donc, je reviens, monsieur le président, sur un seul point. Le jeune étant nommé, pas de rapport entre nous. Et moi, je pense que les preuves là où ils sont disponibles. Ils peuvent la porter ici, c'est Thébro qui a signé ou bien qui a annoncé, bien nommé. On va au camp. Je finis par vous dire que ces deux éléments, racontés sur moi, sur ma personne, sur moi seul. Et puis on est torturé. Demandez un Guinéen de Conakry à l'intérieur de un seul jour, quelle que soit l'infraction commise, si mon service, quelqu'un, même insulter quelqu'un qui est là, une mise à bout, ou bien quelqu'un qui est accusé d'un fait, quel que soit le niveau d'un fait. Je suis rentré dans le truc, là, lui dit que c'était quelque part avec des étrangers,
et l'autre l'a dit qu'il était dans un conteneur. Les deux ne me tiennent pas dans le. C'est bon, s'il vous plaît, c'est bon donc, maintenant. Oui, monsieur le président. Voilà, parce que vous répétez maintenant. Je vous dis simplement, purement et simplement. C'est bon, monsieur Camara. Voilà, monsieur le président, à partir de ces explications, nous avons quelques oui, questions. S'il vous plaît, dire quelque chose. Je vois oui. Des lèvres, avant que vous continuiez avec. Vous voulez finir avec. Le même sujet. Oui, des précisions par rapport à ce qu'il y a. Si vous permettez, monsieur le président, j'aurais voulu apporter quelques précisions, si vous le permettez. Voilà, attendez, monsieur. Allez. D'abord, monsieur le président, il vient d'affirmer devant vous ici qu'il m'a donné 5 millions à son bureau. Ce que j'aurais souhaité, comme Abla Diaby est ici, c'est lui et professeur Koutou Boussano qui sont venus le lendemain matin nous faire libérer et nous envoyer à l'hôpital là, donc à Eodela. Notre arrestation a fait l'objet d'un couvrage médiatique énorme. À ce jour, vous allez sur YouTube ou Internet. Tout est relaté, ça existe. Ça, ce ne sont pas mes paroles. Et on était une dizaine, ce n'est pas juste ma parole. Tout ce qui s'est passé, au-delà de ce que moi j'ai dit, les autres sont là. Et je vous attendu que le colonel Diabro ait le courage au moins de dire la vérité. C'est bon. Oui. S'il vous plaît, monsieur le président, moi je le renvoie ou alors je rappelle au tribunal mon passage le 3 décembre. Ce que le colonel Thiebolo dit, je ne retiens pas que le passage du 3 décembre, depuis mes sorties médiatiques, au sortir de ces tortures-là, je dis et je maintiens, c'est aux environs des erreurs, que vous nous avez allévé à la maison des jeunes de Dixie. Alors, je prie au bon Dieu, que Dieu sauve la Guinée. Parce que quand le colonel Thiebolo dit que c'est à la maison des jeunes ce qu'il est en train de dire là, honnêtement, je dis que Dieu sauve la Guinée. Parce que pour moi, quand on a peut-être la chance ou le privilège d'atteindre un certain niveau de sphère de l'État, il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre. Mais je comprends la logique. Hein? Vous nous avez infligé des cas de torture. Et vous savez les conséquences. Il y a toute une convention internationale. Hein? Voilà. Maintenant, je veux dire que moi, je n'ai pas dit que professeur Koutou Boussano est parti au camp depuis ma première découverte. Colonel Koutou Boussano est venu nous trouver à l'urgence de Donka. La première personne qui est venue, parce qu'à l'urgence de Donka aussi, on nous a sorti au camp là-bas parce qu'il y a eu un partage médiatique. Il y a eu de communiquer Rado, Amnesty International, il y a eu le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, beaucoup de déclarations. Le gouvernement français qui avait même suspendu un pont qui était en construction, le pont du 8 novembre. Vous pouvez vérifier, c'était une déclaration officielle du gouvernement français. On nous a sortis, on nous a envoyés à l'urgence de l'homme. Et on était obligé de regarder le soleil. Mais je précise en ce moment, il n'était pas là, mais c'est lui qui a donné l'ordre. De surcroît, je l'ai rappelé, il y a même un de nos amis qui voulait se mettre à l'aise. L'officier dit, tu es en grève, non? Tous les organes doivent être en grève de faim. Je l'ai rappelé, je n'ai pas perdu conscience. Malgré les coups, le degré de douleur que vous nous aviez infligé. Maintenant, colonel Jacques Touré, paix à son âme, en ce moment, il était le conseiller du Premier ministre en charge des questions de sécurité. C'est lui qui est venu. Il a réussi à obtenir difficilement des agents du colonel Thiebolo de permettre que nous venions nous asseoir. On est venu. Maintenant, Koutou Boussano est venu. Quand le professeur Koutou Boussano est venu, il a chassé les éléments du colonel Thiebolo qui étaient là. Et puis, en ce moment-là, encore une fois, je réitère que moi, je n'ai pas remarqué la présence marquée de colonel Diaby. Mais on nous a fait administrer quelques soins. Et professeur Koutou Boussano nous a pris, on nous a envoyé au niveau du pont 8 novembre, côté 3 en ce moment, au pied du pont, il y avait un restaurant. C'est bon. Voilà. Donc, je précise ces éléments, à mon avis, qui sont importants. Très grave. Monsieur le Président, c'est très grave. D'abord, les deux ne sont pas concertés avant de venir.
ça c'est vrai, une contradiction proche. Monsieur le Président, je commence par Jacques Toury. Colonel Jacques Toury, qui était mon chef d'état-major à l'époque, c'est-à-dire avant l'époque. Jacques Toury, le moment dont il parle à octobre, comme il a dit dans leur déclaration, 2009, Jacques Toury déjà était à la retraite. Et Jacques Toury nulle part n'a été nommé chargé de questions de défense et sécurité à la primature. Allez demander la question. Allez voir la question. Mais pourquoi? Il dit tout de suite là qu'il n'a pas observé Djabi. D'autres ont dit Djabi Djabi. Il dit que Koudou Koussano les a trouvés simplement à Donka, à l'hôpital. Il dit encore que Koudou Koussano l'a trouvé encore là-bas avec Jacques Toury. Il dit que Jacques Toury était venu nous voir pour nous demander. C'est lui qui a dit encore que les sages de la forêt étaient venus nous demander. Contrairement à ce monsieur, il dit qu'ils sont venus le lendemain, ils ont été libérés, ils ont été mis à disposition de Koudou Koussano et Donka. Le lendemain. Et on parle de nationalisme. Entre 0h21 pour l'un et 18h. 19h ou l'autre. De 19h à 0h au matin, les Nations Unies peuvent se mettre en branle contre un pays. La France peut se mettre en branle contre un pays. L'Union Européenne, c'est lui qui a dit un des promoteurs. L'Union Européenne peut se mettre en branle contre un pays. Ils sont vraiment importants. Hein. Ils sont vraiment importants. Moi, je vous dis que c'est de la fabulation. Et c'est bon. C'est grave. C'est bon. Et ce qui est grave, c'est la mythomanie. C'est bon, s'il vous plaît. Sauf que, Monsieur le Président, sauf que les communiqués existent et on vous a montré les communiqués ici. Les communiqués de ces voilà. De toute façon, le tribunal appréciera tout ça. Hein. Ministère public, allez. Merci, Monsieur le Président. Colonel Ebro, vous étiez arrivé à la maison des juges à quelle heure? Moi, je vous dis que j'ai été appelé. Et c'est vers 17h. C'est vers les 17h, le marché était encore plein. Vous êtes arrivé à 17h. À 17h. Vous avez quitté à quelle heure? La maison non, des juges. Non, vous avez parce que. Oui, je le comprends. Oui, continuez. Oui. Vous êtes arrivé à 17h. Oui. Vous avez quitté à quelle heure pour aller au camp? Non. Le même quand vous êtes arrivé, quand les gens. D'abord, après avoir négocié. Vous n'avez pas duré donc. Ils n'ont pas duré. Ils tenaient à avoir l'autorité. Ils ont obligé de lui dire bon, faites-moi une députation. Bien. Et ils étaient au nombre de combien? Que ceux qui étaient là-bas, là, il n'avait même pas de matelas qu'il parle là. Il n'avait rien aménagé alors. Ils me disaient, je ne cherche quoi avec les matelas. Donc, il n'y avait pas de matelas. Et ils étaient au nombre de 5, 6 comme ça. C'est comme ça. En tout cas, ce n'est pas une dizaine, comme je dis 6. Oui. Et donc, quelqu'un a dit 7, hein, lui, il a dit 10. D'accord. Ces 5 à 6 personnes ont été effectivement envoyées à votre service. Une députation. J'ai demandé, comme il veut voir le président. Faites-moi une députation. Oui, est-ce que vous parlez avec lui de patron? Écoutez, c'est juste des précisions que non, nous voulons mettre. Une députation. Est-ce que. 3-4. Ils ont été au nombre de combien a été. À être à votre 3-4. Je n'ai pas une idée précise sur le nombre, mais c'était 3-4 personnes. Mais l'essentiel pour bien. Et lui, il a quitté votre bureau à quelle heure? Moi, quand je suis parti, arrivé au camp. Il est directement à mon bureau. Il a quitté à quelle heure? Il a quitté à quelle heure votre bureau? Bon, vers les 18h, 19h, parce qu'on n'a pas de bureau. Parce qu'il a couru tout le boulot pour le voir. 18h, 19h. Oui. Vous avez continué à rester? Moi? Oui, à votre quand? Bureau. Oui. Ah si, je suis resté, mais je ressorti après. Et quand? Ça fait au moins des fins. Écoutez, monsieur le procureur, ça prend l'heure d'un interrogatoire. Au moins des fins. Si vous pouvez aller pas à pas. Allez-y. Une commission internationale était là. Ou des questions des précurseurs de drogue synthétique que nous avons découvert ici. Dans les outils autres, pour les procureurs de notre procureur. Ils étaient là. Ces gens-là ont fait plus que jusqu'en novembre, on était avec ces missions-là qui venaient. On n'avait pas le temps. Et ils venaient à mon bureau, ces blancs-là, ces experts internationaux, ils venaient à mon bureau. Les blés, tout le monde le sait. Et c'est vrai. Donc, moi, je n'étais pas tranquille au bureau. Mais quand on s'est quitté, après avoir reçu les 5 millions, il est parti. Et le problème était, pour moi, le problème, il est trop. Et c'est vrai. A dit que d'autres est venu, Koutou Koussano n'est pas encore mort. C'est bon, c'est bon, s'il vous plaît. Et quand il a quitté, les autres ont continué à rester? Oui. Les autres? Ceux avec lesquels il était venu? Ils sont tous partis. Parce que les autres ne sont tous partis. Les autres ne sont pas rentrés dans mon bureau. C'est lui qui est rentré dans mon bureau. Il y avait un salon, ils étaient tous assis là-bas. Et c'est vrai. Et j'ai dit, je ne peux pas venir.
même les agressements, il se rappelle. Quand j'ai dit mon mandat, c'est fini. Je suis venu jusqu'à dehors. Il avait l'infirmière de la main. Et 5 millions avec lui. Et vous voulez nous dire, aux environs de 19h, ils ont tous quitté votre service. Tout était fini. Bien. Et à quelle fin vous lui avez remis l'argent? Pourquoi vous l'avez Monsieur le procureur, ça prend l'air d'un interrogatoire. Oui, je peux le prendre. Bon, allez-y avec les questions que vous avez déjà posées à monsieur Koussa. Monsieur Maître Kérosleman, vous avez quitté là-bas. J'aimerais dire, devant vous ici, et je sais, il y a la caméra devant moi. Tout le monde entier me regarde. Je n'ai même pas besoin de donner les preuves, parce qu'il y a des médias, il y a la déclaration d'Amnesty International, de Human Rights Watch, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, qui date de l'époque. Il vous suffit juste d'aller sur Internet, mettre grève la fin, PAJEC, et vous aurez toutes les informations. Tout est relaté au-delà de ma parole, et ça se passait à l'instant à l'époque. Vous avez quitté à quelle heure? Non, ce qu'il raconte là, c'est des histoires. C'est le lendemain matin, Conseil Koutoubou Sano, il est là, il est vivant. Même Colonel Diaby, il est là. Abdoulaye, c'est le Diaby, il est là. C'est le matin à 8h, je ne sais pas exactement à quelle heure, devant son bureau, devant ses escaliers, on nous a fait sortir des conteneurs. Conseil Koutoubou Sano, c'est là où il est venu, il dit que c'est capitaine Davis Camara qui l'a envoyé. Capitaine Davis Camara est là. Et au-delà, moi, je n'ai jamais sollicité à rencontrer qui que vous. J'avais accès depuis toujours à tout le monde si j'en voulais. Et la déclaration qu'ils ont faite, on a envoyé ça au niveau du chef d'ambassade de l'armée à l'époque, la présidence, toutes les organisations de droits de l'homme, et y compris les différentes ambassades. Je n'ai pas besoin de la publicité. Non. Et quand il dit, ici, que c'est sûr, c'est. Et même au niveau de la déclaration que je lui ai raconté, que j'ai révisé la déclaration, il y a encore tous les officiers de la victoire. Je n'ai jamais raconté cette histoire à quiconque. Quand il dit ça, c'est des histoires. Je ne l'ai jamais fait. Et au-delà de ce que vous racontez, moi, ma crédibilité, tout le monde le sait. Hein, quand vous dites que vous m'avez donné 5 millions, alors que lorsque j'étais au niveau de CBD, tous les membres sont là, même les tickets de carburant, je n'ai jamais accepté. C'est bon. Le lendemain, donc, à 8h, hein, on peut retenir aussi. Bon, à peu près, parce que je n'avais pas de montre bien sur moi, monsieur, mais je sais que c'est le lendemain matin. Monsieur Kali, vous avez quitté là-bas à quelle heure? Alors, monsieur le procureur, je voudrais que vous compreniez que le traumatisme, je crois que maître même avait perdu un peu l'heure, honnêtement. Le lendemain, d'abord la matinée, le colonel Thiebaro sont revenus. Kadiatou, et une jeune sœur qui était membre, a été prise en otage par ses services. Alhamdoulaye, le vice-président de la FAJEC, M. Mané, on est parti le chercher. Ils ont couru tout le quartier de CBG là-bas, on l'a même surnommé Hussein Bon. Bamba, qui avait son quartier, qui avait un télécentre tout près de l'escadron, au niveau du garage, au niveau du gros magasin Okoya, on l'a pris, on l'a ramené, il nous a trouvé. On a quitté aux environs de 11h. Il y avait un battage médiatique. Il a compris que... Le lendemain, le 29, parce que c'est le 28 jour pour jour qu'on avait décidé d'observer cette grève de la faim pour arrêter les exactions qui continuaient et pour appeler tous les acteurs à se mettre autour de la table pour essayer de dialoguer, pour sortir de la crise. Donc, un mois, jour pour jour, après les événements du 28 septembre. Donc, c'est le lendemain, aux environs de 11h. Et je vous ai dit, les menaces qu'il avait proférées la nuit, le lendemain, tous les membres de la fédération, parce qu'on avait fait la grève de la faim au nom de la Fédération des associations des jeunes de Guinée, il est parti à les rechercher. Bamba nous a trouvés, ils ont pris Bamba, aux environs de 8h, 9h, à son télécentre, à la CBG, tout près du gros magasin, là où on vend... Le magasin Okoya là-bas, il avait son télécentre. On l'a envoyé là-bas. Voyez-vous, c'est aux environs de 11h, maintenant soi-disant qu'on va venir nous faire observer au niveau des services de santé, pour nous faire des soins de santé. Ils nous ont sortis du camp pour venir au niveau de l'hôpital de Tonka. Mais je précise en ce moment, lui n'était pas là, c'est toujours les deux pick-up avec lesquels il était venu la nuit, qui nous ont ramenés au niveau de CHU Tonka.
Bien. Colonel Camara, pourquoi vous les aviez conduits à votre service? Pour quelle raison? Ouais, pas compris. Pourquoi vous les aviez conduits à votre service? À mon service? Mais j'ai commencé par ça. J'ai dit que lorsqu'on a engagé les négociations et que je n'avais pas de compréhension, vu l'afflux des gens qui venaient les femmes autour là, ils demandaient pas de droit de... J'ai dit demander effectivement une députation. J'ai dit tantôt, faites-moi une députation. Et arrivé, dans la voiture du monde, on discutait. Et nous sommes tous amis. Automatiquement, répondez à la question. Pourquoi vous les aviez conduits à votre service? Pourquoi? Est-ce que c'était le lieu approprié? Bien sûr. Mais bien sûr. Quand quelqu'un veut négocier, il veut y voir la piste. C'est-à-dire qu'il le dit. Il ne veut pas parler de la part, il ne veut pas manger. Les autres ont envie de faire. Et lui, il dit qu'il faut qu'il soit obligatoirement d'aller. Il aura mis ça à partir. Je l'ai vu dans ma voiture. Est-ce qu'ils avaient rencontré le président de l'ADIS? Non, arrivé. D'abord, déjà, on s'est compris. Quand ils sont partis, on est descendu directement chez moi, dans mon bureau. Et les négociations ont commencé, on s'est compris. Maintenant, pourquoi alors les 5 millions? Pourquoi? Dans le déballage, c'est verbal de sa déclaration que nous donnons dans nos échanges, j'ai compris qu'il a dit qu'ils ont dépensé. Dieu est mon témoin, il est tout de suite là. Il a dépensé. Dieu est son témoin aussi, parce qu'il en était deux. Donc, ça faisait 4 millions et quelques comme ça, j'ai donné 5 millions pour le transport retour. Ça, c'est le transport retour, y compris le transport retour. Il ne peut pas nier. Il n'a pas de secret à ses amis. Ce n'est pas le moment de nier. C'est bien. Il peut ramasser 1 million de francs. Bien. Monsieur Bardé, je n'ai pas fini. Non, nous avons une situation que nous voulons. S'il vous plaît, c'est bon. Monsieur Bardé, est-ce que vous lui avez dit que vous voulez rencontrer le président d'Addis? Je ne l'ai jamais dit. Je n'en avais pas besoin. Non. Est-ce que alors il vous a remis 5 millions? Je suis désolé, monsieur le procureur. Quelqu'un qui nous a torturé toute la nuit, quand il dit qu'il nous a donné 5 millions, ça nous fait juste sourire. Bien. Monsieur Diallo. Monsieur le procureur. Est-ce que vous lui avez dit que vous voulez rencontrer le président d'Addis? Non, moi je n'ai jamais pensé à rencontrer. En ce moment, encore une fois, nous étions préoccupés par l'arrêt de ces exactions. Nous avons observé cette grève de la faim dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'on vous a dit alors pourquoi on vous a conduit au sein du camp Antoine? Non, je vous ai dit, monsieur le procureur, vous le savez, d'abord, la question de la torture définie universellement, c'est pour nous torturer. D'abord, venir nous torturer, d'abord, c'est infliger la douleur, qu'elle soit physique, morale, psychologique, avec un homme qui agit au nom de l'autorité de l'État. Voyez-vous, il nous a, c'est en humiliant, dans le cadre d'inculquer la peur, l'humiliation, il l'a fait sur le lieu en nous arrêtant avec toute la violence. Et c'est que, vous savez, ce qu'on observe de loin, le tribunal, cette question d'impartialité et beaucoup de responsabilité pour la question de paix et de cohésion sociale. Sinon, les propos, les injures que colonel Tcheboro avait proférées à l'endroit de nous, de notre communauté, je n'ai jamais voulu le dire. Mais il le sait. Le leader politique dont il a, avant qu'il ne chasse, il y avait toutes les communautés représentées, il sait ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas le moment. Je presse la non-violence. Voyez-vous, il le sait. Donc il nous a infligé des tortures physiques, morales, psychologiques, avant de nous envoyer au camp. Et au camp aussi, c'est pour nous torturer. Encore une fois, avec de menaces. J'aimerais que vous rappeliez colonel Tcheboro en ce moment. Ce n'est pas la personne ordinaire qui veut se soustraire de ce tribunal-là aujourd'hui. Hein. En ce moment, avec le pouvoir, encore une fois, ce n'était pas la force. La force n'était pas donnée à la loi. Ce n'est pas l'argument-là. Non, colonel Tcheboro. Pourquoi? Alors, le chef de quartier, quand il lui a appelé, parce qu'il vous a dit avec tout l'armada juridique et ainsi de suite, pourquoi il n'a pas dit donc, va au commissariat le plus proche, formulez une plainte, allez au commissariat le plus proche, prenez-les et mettez-les à la disposition de la justice, parce qu'ils font quoi que ce soit qui viole la loi. Il n'a pas vu. Donc, c'est encore une fois, c'est pour nous infliger ces tortures-là, et il l'a fait. Et jusqu'à présent, nous avons ces séquelles. Oui. Oui, mais je tombe de nuit toujours. Monsieur le Président, je reviens d'abord sur cette histoire de torture qui
n'existe pas à ce moment. Lui dit, il est rentré le matin, il est sorti, 19h, 8h du matin, mis à disposition de Yabi qui est encore vivant, du Goussano, qui est faux. L'autre dit, non, lendemain à 16h, il a dit, c'est pour Dieu, c'est surtout, j'ai noté, à 16h, le lendemain à 16h, que les sages de la forêt étaient venus nous voir. Et il dit encore aujourd'hui, c'est à 11h qu'ils ont été mis en liberté. On met les gens à disposition des cadres comme les Koutoukou. En même temps, on fait sortir d'autres personnes pour rechercher leur complicité. Un autre prophète. Un autre prophète. Il faut que les gens la soient vraiment. Une région où vient un groupe donné, moi je connais rien. Je suis vraiment pacifique. Jamais je l'ai proféré. Et puis, quand vous regardez un peu ce qu'il a dit, il dit qu'il a été d'abord torturé. On a bien compris. Il a été d'abord torturé à la maison centrale, à la maison de jeu, avant de partir au camp. La dernière version. Donc, il faut qu'il soit un peu cohérent, c'est important. Nous sommes là. Le monde nous appréciera tout ça. C'est bon. Oui, le monde nous regarde. Merci, merci. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, monsieur le président. Monsieur le Président, j'aimerais juste dire, au-delà de nous, dans la salle qui était à côté de moi, il y avait une personne aussi qui était torturée puisque la personne criait. C'est bon. C'est pas juste nous. S'il vous plaît. Calmez-vous, hein, ce camarade. Vous savez, personne ne vous attaque. Pourquoi vous ne pouvez pas vous calmer? Pourquoi vous vous énervez? Pourquoi vous lancez des trucs comme ça? Pourquoi vous le faites? Parti civil. Défense. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. Et Maître Baldé. Vous avez dit dans votre procès-verbal de déclaration affirmative du 20 septembre 2022 ce qui suit. Le lendemain matin, le lendemain du 28 septembre, le lendemain matin, on nous a fait sortir du conteneur et regrouper devant les escaliers à nouveau, les habits déchirés, des blessures et surtout la peur dans le ventre. Nous avons reçu la visite de M. Koutou Boussano et le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ministre de la Santé à l'époque. Vous le confirmez? Oui. Monsieur Diallo, qu'est-ce que vous en dites? Il dit le lendemain matin. Qu'est-ce que vous en dites? Prenez votre question. Le lendemain matin, on vous a sorti les conteneurs. Et le colonel Abdoulaye Chérif Diaby, ici présent, est venu avec M. Koutou Boussano le lendemain matin. Qu'en dites-vous? Je dis et je répète, moi je dis au niveau du département antidrogue, je n'ai pas remarqué la présence de M. Koutou Boussano. Et ça, depuis lors, hein, je l'ai toujours dit. Moi je dis, M. Koutou Boussano est venu au CHU de Tonkin. Je maintiens, vous pouvez revoir toutes mes interventions. Voilà. Maintenant, je précise encore que nous n'étions pas dans les mêmes pick-up, ni pendant qu'on nous enlève notre enlèvement. D'accord? De la maison de jeunes jusqu'au camp Alpaya, département antidrogue. D'alors, on n'était pas dans le même véhicule. Il y avait deux pick-up. Il est venu avec deux pick-up. Donc, en nous enlevant aussi, jusqu'à Alpha Yaya pour nous amener au niveau de... Je n'étais pas dans le même pick-up que M. Kéron Suleiman. Voilà. Bien entendu qu'on était piétinés à l'intérieur, mais vous ne pouvez observer rien. Vous confirmez que c'était le matin? Non. Encore une fois, je viens de le dire. Observez bien ce que j'ai dit. Hein. J'ai dit aux environs de 11h. Parce qu'il y a eu beaucoup de battages médiatiques. Et il y a les institutions nationales, certaines institutions et ONG internationales qui avaient fait des déclarations. Et c'est sous ce prétexte-là, parce qu'il y a une pression énorme à l'extérieur, ils sont venus nous dire, bon, on vous envoie
pour des semaines de santé. Mon colonel, qu'est-ce que vous en pensez le lendemain matin? Le lendemain matin, je ne peux pas dire un seul mot là-dessus, parce que lui et moi, quand on s'est quitté à 19h, c'est plus revu. Comme il n'a pas pris témoin des cadavres, les gens qui sont décédés depuis longtemps, pour que nous en avons vu, M. Dabi encore vit, c'est mieux de le faire venir demander des précisions. Et mieux que ça, les deux sont diamétralement opposés. Ceux-là, diamétralement opposés. Et mieux que tout ça, ce n'est pas mon identité. Heureusement, ou malheureusement pour moi. Et le service, il m'a été donné, dirigé. Il m'a mis dans tout ça. Franchement, c'est bon, vous avez répondu à la question. C'est pas si le tribunal peut accepter que le colonel Abdel Chérif Diaby vienne par rapport à ce point-là. Ce point, parce que toutes les parties, les protagonistes. Est-ce que vous avez fini avec les questions pour les trois là d'abord? Donc, c'est sur ce point-là. Sur ce point, parce qu'il y a une contradiction sur ce point. Le colonel est là. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez fini avec les questions pour les trois d'abord? Je n'ai pas encore fini, monsieur. Allez-y. Et sur le même point, monsieur Diallo, consigné dans votre déclaration, hein, c'est versé au dossier. Votre déclaration datée du 1er octobre 2023. Contrairement à ce que vous venez de soutenir, vous avez écrit ceci à la page 2, sixième paragraphe. C'est ainsi. Vers 15h, le jeudi 29 octobre, sur ordre de colonel Thiebro, nous fûmes conduits au CHU de Donka, où nous étions exposés au soleil. Les gendarmes de Thiebro nous obligeaient de regarder le soleil à 15h. Il n'y a pas de contradiction, maître. D'abord, peut-être que, puisque vous m'obligez à le dire, tout ce que nous avions comme objet précieux, il avait pris avec ces éléments, là où nous avons trouvé. On n'avait pas de monde. J'ai dit vers là-bas et je maintiens ces vers. Donc je n'avais pas notion. C'est-à-dire, j'ai dit vers, ce n'est pas précis. Et je ne vois pas une contradiction majeure parce que le contenu de ce que j'ai dit est le même. N'est-ce pas? Et même la télé avec laquelle nous avions passé toute la journée à regarder le film Mahatma Gandhi sur la non-violence, ils avaient tout pris. Montre, téléphone, tout. Donc j'ai dit bien l'heure, je n'ai pas dit une heure précise. On était, encore une fois, on nous a pris, on nous a mis dans un conteneur noir comme ça. Vous n'avez pas de montre, vous n'avez pas de, vous n'entendez rien, vous ne voyez rien comme. Et en nous embarquant aussi, on vous met à l'intérieur des pick-up, on met les pieds comme si ce n'était. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune question de respect de dignité humaine. C'est-à-dire que je ne suis pas sorti quand je vois le colonel parler comme ça, honnêtement. Le tribunal a besoin d'être éclairé. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous avez ordonné le lendemain matin, hein, comme il a dit, le lendemain, de les conduire au CHU de Donka? Bon, je vous ai dit que tout ce qui est lendemain ne me concerne pas. Au moins, ils n'ont pas parlé, ils n'ont pas passé la nuit avant service. Mais maître, il y a juste une précision pour le tribunal. Monsieur le chef, qui ne m'énerve pas, hein, mais qui ne me soutient pas. Dans un pays aussi pauvre, quand on dit qu'on se la trompe, il faut s'attendre à tout. Sinon, franchement, ce qu'il dit là, moi, tous mes amis, quand ils disent que je c'est très important. Il parle de paix, de sécurité, il parle de paix sociale et tout. C'est bon. Monsieur le Président, juste un petit mot. Il parle de paix. Moi, tous mes amis, c'est bon, s'il vous plaît. Une autre question. Maître Bandé, qu'en dites-vous par rapport à la même question? Je pense que vous pouvez peut-être. Oui, le lendemain matin, vous avez été conduit sur ordre de colonel Moussa Thiebro Kamal au CHU de. Je le dis, vous savez, honnêtement, tout ce que je dis ici, au-delà de mes propos, ça fait l'objet de couvertures médiatiques. Les articles de presse existent. C'est facile de vérifier. L'ère à laquelle. Je vous ai dit, on vous a envoyé au niveau de l'hôpital Donka. Je ne sais pas exactement à quelle heure. Nous n'avions pas de montre avec nous. Et je n'avais même pas fait de série, j'avais juste mon t-shirt et on était exposé au soleil. Et on nous a reçus au niveau des services d'urgence de l'hôpital Donka à l'époque. Et j'aurais voulu vraiment, parce que pour moi, c'est vraiment important
l'affirmation de colonel Diaby, puisque vous savez, on est là, je sais, en tant qu'accusé, vous avez le droit de mentir pour vous défendre, c'est tout à fait normal. Mais c'est important aussi pour l'opinion publique, puisque comme on le dit, il peut y arriver qu'on commet des erreurs, mais avec le temps, on le reconnaît, on se répand, on demande pardon, on l'accepte. Mais lorsqu'on persiste, ça signifie beaucoup. Donc je n'ai pas beaucoup de commentaires à faire, puisque, comme je l'ai dit, à l'époque, il y a eu des déclarations, il y a eu des prises de position. Je n'ai pas besoin de le dire, puisque c'est connu, c'est vérifiable. C'est bon. Juste une précision. C'est grave. Il vous regarde, franchement, c'est grave. Parce que Dieu te l'a fait. Il ne sait même plus, hein, il ne sait plus, hein, il est perdu comme ça. Il sait plus où mettre. Laissez tout le monde. Laissez donc, les gens. Ouais, laissez okay, tout le monde. Donc, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a vraiment un problème. Ce monsieur parle de 15h, 16h. 16h. Les chefs de. C'est bon, de, est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon. Bon. Vous avez compris cela. Mais ce qui est grave dans tout ça, ce qui est encore plus grave, c'est du fait que ce monsieur nie les 5 millions, bien que petit. C'est bon, s'il vous plaît. Mais c'est grave. Une autre question. Oui. Colonel, vous êtes arrivé au niveau de la maison des jeunes, toujours à quelle heure? Moi, je vous dis. Vers 17h. Je n'ai pas chronométré, mais je sais que vers 17h parce que le marché était encore plein. C'est encore vérifiable. Monsieur Bardé, le colonel est arrivé aux environs de quelle heure? À la maison des jeunes. Merci. Okay. Oui. Vous savez, quand il dit à 17h, puisqu'à 17h, il y avait encore beaucoup de monde dans la maison des jeunes, hein, il y avait non seulement les journalistes, les diplomates qui passaient à 17h, on était encore dehors. C'est à partir, je ne sais, je peux pas me rappeler exactement l'heure exacte, mais c'est aux alentours de 19h que nous sommes rentrés dans la salle. Et il est arrivé au niveau de la salle, je pense vraiment, dans les environs de 21h, comme ça, parce qu'on était couchés sur le matelas, mais on ne dormait pas, on discutait entre nous. Ils sont venus défoncer la porte. Mais je ne pourrais pas vous dire l'heure exacte, mais c'est aux alentours de 21h. Monsieur Diallo, s'il vous plaît, la même question. Le colonel est arrivé au niveau de la maison des jeunes ce jour, aux environs de quelle heure? Aux environs de 0h. J'avais fait mes prières, fini, je me suis couché. C'est aux environs de 0h que la violence avec ces hommes orchestrée, perpétrée contre nous. Vous étiez effectivement avec M. Bazi. J'étais avec M. Bazi. Et beaucoup d'autres, hein? Et beaucoup, voilà, le pas seulement. Voilà. Monsieur Diallo, vous avez déclaré ici qu'on vous a fait subir toutes les violations des droits de l'homme avec des matraques sur la tête. Vous le confirmez? Je le confirme. Le colonel. Merci, monsieur le président. De vous, hein? D'abord, personnellement, c'est une allégation pure et simple. Parce qu'il a entendu ici matraque, matraque, matraque. Et toutes ces questions de matraque ne viennent pas de moi. Mon service n'a jamais doté de matraque tout le long de mon séjour. Non, là, tout ce qui est question lacrymogène ne relève pas de moi. C'est bon, on parle de matraque, s'il vous plaît. Voilà, soyez. Matraque, non. Moi, personnellement, parce que, comme vous expliquez, on était. Je n'ai pas dit 10 personnes exactes, parce qu'il l'a dit un peu plus tôt. On était, je pense qu'on était. Est-ce que vous avez reçu des coups de matraque? Non, moi personnellement, je n'ai pas reçu de coups de matraque. Moi personnellement. C'est bon. Monsieur Diallo, vous parlez encore au service, il a ordonné de nous mettre dans un conteneur. Après toutes sortes de tortures sans vie. Oui, oui. C'est le colonel qui a ordonné de nous mettre dans un conteneur. Oui. C'est lui, il était le commandant. En chef de, comment on appelle, le commandant, si vous voulez, j'enlève chef pour ne pas qu'on pense que je vais à l'autre hiérarchie. Il était le commandant de cette unité. C'est lui qui a ordonné de le mettre. Et c'est devant lui qu'on nous a injecté dans le conteneur et on a fermé. Merci.
un subordonné ne pouvait pas, ou un de ses subordonnés ne pouvait pas prendre la décision de nous jeter. Et même lui, même si un tel cas se produisait, en tant qu'officier, s'il était officier républicain, respectueux des règles, des valeurs, principes démocratiques, des questions des droits de l'homme, il n'allait pas accepter. Mais malheureusement, c'est lui qui a donné l'ordre de nous jeter dans le conteneur. Le colonel, c'est vous qui avez instruit. Maintenant, je vous dis que ces gens ne se sont même pas approchés au violon. Donc, d'un supposé conteneur. Il n'existait pas de conteneur concerné. Ça a été dit ici, je pense que c'est confirmé. Un, deux, je suis un officier reconstitué. Je le sache. Moi, je me suis sacrifié pour ce pays parce que je suis reconstitué. Deuxièmement, quand mon frère dit que. Ce n'est pas pour répondre à votre frère là. La question, elle est précise. Quand les accusés, que les accusés ont le droit de mentir ou de se cacher. Moi, je ne suis pas un accusé de ce genre. Si j'ai commis une infraction quelconque ce jour ou les jours précédents. Est-ce que vous avez donné l'ordre de les mettre pas dans du tout, il n'y a pas de conteneur. C'est bon. C'est bien le colonel qui a donné l'ordre devant vous de vous mettre dans un conteneur. Maître Baldé. Oui, c'est lui qui a donné. Vous savez, maître, je vous expliquais les circonstances dans lesquelles il nous a envoyé là-bas, il nous a menacé. Et ce sont ses propos, j'ai mis dans ma déclaration, j'ai mis entre guillemets. Ce sont les propos qu'il a tenus pas. Il dit que la grève de la faim, c'est une forme de terrorisme moderne. Après nous avoir obligés d'avaler ces pains fades libanais, il nous a mis dans le conteneur. Et moi, c'est là où, en fait, que je l'ai vu la dernière fois, si ma mémoire est bonne, parce que bon, ça fait très longtemps. Monsieur le Président, si vous permettez un petit élément par rapport au conteneur. Allez-y. Je rappelle qu'il est acquis au débat ici, dans cette salle. J'ai suivi le lieutenant Marcel, il m'excuse de le dire, et qui auparavant a expliqué qu'il a fait beaucoup, même je crois bien, son enfance au camp. Il vivait au camp avant l'arrivée même du CNDD. Et vous savez qu'une fois même, commandant Toumba avait dit qu'il était tellement, il avait tellement une assise au camp là-bas qu'on l'appelait le parrain des caporaux. Ici, le lieutenant Marcel a bel et bien dit qu'il y avait des conteneurs avant l'arrivée du CNRD qui servaient de lieu de garde, si vous voulez, du matériel militaire. Le lieutenant Marcel l'a dit ici. Donc s'il dit qu'il n'y avait pas de conteneurs, je lui rappelle que c'est déjà acquis au débat en connaissance de cause, une personne qui connaît c'est bien bon, hein? Qu'il y avait ces conteneurs c'est là-bas. Bon. Voilà. C'est bon. Oui, mon colonel, vous les avez traités de terroristes, je déclare. Bon, monsieur le président, je reviens avec votre permission sur cette histoire de conteneur. Personne ne vous a demandé de parler d'une histoire de conteneur. Conteneur. On vous a posé la question de savoir si vous les avez traités de terroristes, c'est ça, hein? C'est ça oui, mais question. D'accord, monsieur le président, je réponds comme vous le voulez. Alors, terroriste 2009. Le mot terroriste n'était pas dans le jargon militaire. Parce que l'Afrique n'était pas encore menacée. C'est bon. C'est ça. M. Baldé, oui. Vous avez été traité de terroriste en conteneur. Je répète mot par mot. Il dit qu'une grève de la faim, c'est une forme de terrorisme moderne qu'il n'y a jamais eu de grève de la faim en Guinée. Parce qu'effectivement, c'était la première fois qu'une grève de la faim avait été organisée ici en Guinée. Et au début, je me rappelle, les gens nous disaient que ça n'allait avoir aucun impact. Est-ce qu'il vous a traité de terroriste? Oui. Monsieur Diallo. Oui. Monsieur Diallo. Oui. Maître. Oui. C'est que, en plus de terroriste, il nous a traité de narcotrafiquants. Il est parti jusqu'à dire que l'eau même que nous devions pouvoir voir là, que ce sont les narcotrafiquants qui avaient acheté. Il l'a dit. Est-ce que vous avez été traité de terroriste? Si, monsieur le président. C'est bon. Bel et bien. Merci, monsieur le président. Oui, il l'avait dit. Je n'invente rien. C'est bon. Merci, merci, c'est bon. Merci, monsieur le président. Vous n'avez pas la parole. Vous avez déjà répondu. Vous avez été le premier à répondre à la question. Oui, vous avez parlé de narcotrafiquant, mon colonel. Non, vous avez parlé de narcotrafiquant. À ce jour-là, pas parler de narcotrafiquants. Moi-même, je suis professeur de narcoterrorisme. Je sais de quoi il s'agit, le terrorisme et le narcotrafiquant.
C'est bon, c'est ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, le général assesseur. Pratiquement, Monsieur le Président, moi, je suis là pour parler ou pour poser des questions sur l'événement du 28 septembre 2009 et non 28 octobre. Excusez-moi, Monsieur le Président. Allez-y. Alors. Je vous remercie, je n'ai pas de questions. Je suis là pour le 28 septembre. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, nous avons voulu que l'accusé Ibrahima Camara Kalonzo soit confronté à M. Tamba Gabriel Diawara. Mon nom, c'est le colonel Ibrahima Camara. Je ne vous appelle pas colonel, je vous appelle monsieur. Ce sont vos prénoms et noms, donc prenez ma camarade Kalonzo. Colonel. Ça dérange quoi si je vous dis messieurs? Ça ne vous diminue en rien, messieurs. Je continue. Monsieur le Président, nous avons voulu que l'accusé, M. Ibrahima Camara, alias Kalonzo, soit confondu à M. Tamba Gabriel Diawara sur l'unique point de la présence du premier le 28 septembre 2009 au violon PN3. M. Ibrahima Camara Kalonzo, vous confirmez, comme vous l'avez dit préalablement lors de votre interrogatoire, que le 28 septembre 2009, était bien retenu au violon PM3. Merci, Monsieur le Président. Merci également, Messieurs les assesseurs. Et merci à l'ensemble de la Cour. Comme je l'ai si bien dit au départ de ce procès, lors de mon passage ici, j'ai bel et bien dit, que je ne connais absolument rien dans cette affaire du 26 septembre, parce que j'étais retenu au PM3. Je suis rentré au PM3 le 3 août 2009 et je suis sorti le 6 novembre de la même année. Le pourquoi? Parce que... 3 août 2009, 6 novembre de la même année, vous avez dit. Oui, le 6 novembre de la même année. Très bien. Trois jours, j'étais là-bas. Très bien. Monsieur Tamba Gabriel Diawara, la même question. Est-ce que vous confirmez que... Le 3 août 2009, au 6 novembre de la même année, M. Ibrahima Camara alias Kalonzo était bien au violon PM3. Je vous remercie, M. le procureur. Je ne peux le confirmer parce que, comme je l'ai dit auparavant, l'acte qui m'a nommé au PM3 comme commandant, je l'ai rapporté. Ça date du 21 octobre 2009. À l'époque, j'étais lieutenant et le colonel Kalonzo n'y était plus. L'acte est là. Il en fait foi. S'il vous plaît, vous avez dit oui. Avoir été nommé commandant du PM3. Le 21 octobre. Le 21 octobre 2009. Au préalable, vous étiez au service de, vous étiez en service là-bas. Qualité d'officier de police judiciaire. Affirmatif. Est-ce que, en cette qualité, 28 septembre 2009, vous étiez là encore? J'y étais. Est-ce que M. Ibrahima Camara Kalonzo y était? Je le réitère, je ne peux ni le confirmer, ni l'infirmer, parce que je n'ai pas spécialement, particulièrement porté attention à ça. Je l'ai dit auparavant. Donc, à votre nomination en qualité de commandant,
Il n'y était plus. Il n'y était plus, il le sait. Monsieur Ibrahim Camara Kalonzo. Disons. Vous êtes formel. Vous avez séjourné dans les violons du PM3 du 3 août 2009 au 6 novembre de la même année. Je confirme. C'est bien cela. C'est bien cela parce que quelqu'un qui est mis en prison, je pense qu'il est en train de subir de toutes les malveillances. De toutes les malveillances. Je ne peux oublier cette date jusqu'à ma mort. C'est pourquoi je persiste, je suis et j'insiste que j'étais en prison du 3 au 6 novembre 2009. Monsieur le Président, c'est sur ce seul point que nous avions souhaité la présente confrontation. Partie civile. Oui, monsieur. Défense. Monsieur le Président. Présent. Est-ce que vous avez vu la carrière au terme de la Bon, je ne peux le dire parce que j'étais dans le violon. Et c'était fermé hermétiquement ce jour-là. On était regroupé dans un grand hangar qui est dans l'enceinte du PM3. Donc, je ne peux dire avec exactitude que je l'ai trouvé là-bas ce jour. Vous confirmez qu'il était en service là-bas. Il était en service là-bas. Il était en service là-bas. Je vais également confirmer qu'il n'avait plus contact avec vous. Pardon ? Il n'avait plus contact avec vous pour faciliter votre libération. Dans un premier temps, il s'est rendu au camp voir mon chef de service, le colonel Thibault, dans l'objectif de régler notre différence. D'accord. C'était avant ou après les événements ? Ça, c'était après, tout après les événements. Mon colonel. Maître. C'est bien cela. Bon. Moi, je crois. Le colonel Kalonzo dit que le 28 septembre, il y était. Oui. Il a dit que je ne peux ni infirmer ni confirmer. Mais. Ce que je peux rapporter, c'est que le hangar qui était n'avait pas de porte. Il sait, c'est un officier. On n'écroule pas un officier. On n'écroule pas un officier. On peut prendre une mesure, si vous voulez, un arrêt. On n'écroule pas. Tous les officiers qui sont passés au PM3 n'ont jamais été écroués. Ce n'est pas réglementaire. Un, de deux, le jour que je suis allé rencontrer Thibault, je suis allé avec lui. Je ne suis pas le seul, je suis allé avec lui. J'ai échangé avec Thibault, qui ne voulait pas qu'il y retourne. Mais finalement, j'ai finalement tourné son bras pour qu'il l'envoie ailleurs. C'est en ce moment qu'il a été muté à Fria. Le colonel, où est-ce que vous avez rencontré le colonel Thibault? Oui. Gabriel. Vous dites? Où est-ce que vous avez rencontré le colonel Thibault? Dans ses installations au Calvaya. C'était après les événements, avant. Oh, je crois que ça devait être après les événements. Dieu merci. Merci, monsieur. Merci, Monsieur le Président, que nous en soit donné. Monsieur, mon colonel Diawara, oui.
vous confirmez avoir rencontré le colonel Moussa Kéboro Camara au camp Alpha Yaya après les événements du 28 septembre pour régler son démêlé avec le colonel Ibrahima Camara Dick Alonso, n'est-ce pas? Affirmatif. Bien. Est-ce que vous confirmez que effectivement ce jour, cette rencontre a eu lieu un peu plus tardivement, après le coucher du soleil? Oui, c'était dans la soirée, un vendredi. Bien. Est-ce que vous vous rappelez, lors de votre entretien avec le colonel Moussa Kéboro Camara, il y avait un autre collègue qui était également au même service anti-drogue là-bas? Ça prend l'air d'un interrogatoire. Si, confirme, je demande. Après, je vais revenir. Ce n'est pas un interrogatoire, monsieur. Ça prend l'air d'un interrogatoire. Mais ça ne serait pas un interrogatoire. C'est, ça peut être une impression, mais ça ne le sera pas. Soyez rassurés. Mon collègue, est-ce que vous confirmez que cette rencontre a connu la présence d'un autre gendarme ou collègue qui était également au service là-bas, puisque je ne veux pas donner le nom ici, puisque le tribunal n'a pas voulu que ces personnes comparaissent? Le tribunal n'a jamais refusé que quelqu'un comparaisse. Pourquoi vous dites des choses qui ne se sont pas passées? Vous avez demandé la comparution de quelqu'un, de qui ici est que le tribunal a refusé? De qui? Monsieur le Président, Monsieur le Président. Non, s'il vous plaît, vous avez demandé la comparution de qui dans cette affaire-là le tribunal a refusé? Que l'intéressé comparaisse. Qui? Voilà. Monsieur le Président. On est là encore, on n'a pas fini. Oui, vous accusez le tribunal. C'est le... Bon. Devant tout le monde, alors que ça ne s'est jamais passé. Parce que quand vous dites que le tribunal n'a pas accepté la comparution de quelqu'un. Je n'ai pas dit que le tribunal a refusé. Mon Dieu, c'est le français, vous parlez en même temps, vous dites que le tribunal n'a pas accepté. Qu'est-ce que ça veut dire? N'a pas voulu. Monsieur le Président, je sais ce que j'emploie lorsque je suis au prétoire. Quand vous dites que le tribunal n'a pas voulu, alors qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Merci, Monsieur le Président. Qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur le Président, il est acquis au débat que des témoins ont été entendus. Quand vous dites que le tribunal n'a pas voulu, qu'est-ce que ça veut dire? Dites-nous ça. Je suis en train de vous expliquer, Monsieur le Président. Si vous voulez comprendre, je peux vous donner ces explications. Je soigne mes mots au prétoire. Alors dites... Voilà. Dites, s'il vous plaît, il s'il est vous acquis plaît, au débat. S'il vous plaît, s'il vous plaît, dites ce qui est. Voilà. Voilà. Mais ne dites jamais que le tribunal n'a pas voulu que X ou Y soit là. Le tribunal ne l'a jamais voulu. Tout le monde est là. Vos confrères sont là. On est suivi de partout. Le tribunal, vous n'avez jamais demandé ici à ce que quelqu'un comparaisse et que le tribunal ne l'ait pas voulu. Ça ne s'est jamais passé. Oui, mais... Voilà. Allez-y alors avec les questions. Sauf que... Allez-y avec les questions. Je continue avec les questions. Sauf que nous n'avons jamais demandé que ça ait été refusé. Mais allez-y en fait, avec les questions. Je voudrais simplement préciser qu'il y a des noms qui ont été cités comme témoins qui ont été entendus au cabinet d'instruction, mais malheureusement qui n'ont pas été entendus dans les débats. Qui a demandé à ce que ces personnes viennent? Bon, oui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous savez, ça c'est un autre S'il vous débat. Plaît, vous savez, s'il c'est vous pourquoi, plaît. Hein, Monsieur le Président. Vous savez, je vous laisse trop dire les choses ici. S'il vous plaît, suivez-moi. Oui. C'est pas... Ne créez pas des règles ou de la loi qui n'existe pas. Ne créez pas ça. Je ne sais pas où est-ce que c'est écrit, dans quelle disposition, de quelle loi, que tous ceux qui ont été auditionnés dans le cabinet d'instruction, que le tribunal est obligé, sur son propre gré, de les faire venir à la barre de son tribunal. Je ne sais pas où cela est écrit.
c'est pas où vous l'avez tiré. Donc c'est pourquoi je vous dis de poser des questions, d'arrêter de vous aventurer sur des trucs sur lesquels vous n'avez vraiment pas, vous n'avez aucune base légale, vous n'avez aucune disposition légale qui vous permet de le dire. Donc allez-y avec les questions. Si des gens ont été interrogés dans le cabinet d'instruction, rien n'oblige le tribunal de les faire venir. Les interrogatoires ou les auditions qui sont versées au dossier servent déjà le tribunal. Ce sont des pièces de la procédure. Donc, ne vous aventurez pas, continuez à poser des questions, s'il vous plaît. Merci, monsieur. On a trop retardé, d'ailleurs. Merci, j'ai trop discuté avec vous. Merci, monsieur le président. Voilà, allez-y avec les questions. On pouvait l'éviter. Mon colonel. Maître. Et Diawara. Est-ce que vous confirmez cela? Reprenez la question, s'il vous plaît. La rencontre avec le colonel Moussa Tiboro Camara au camp Fayaya a connu la présence d'un de vos collègues qui était également de service à l'antidrogue. Est-ce que vous vous rappelez? Il y a 15 ans de cela, je ne me rappelle pas. Mais ce que je sais, oui. Et chaque fois que je rencontrais Tiboro, c'était à deux. Bien. Mais ce jour-là, c'était possible. Bien. Je ne me rappelle pas. Merci. Et ce jour-là, est-ce que c'est la même nuit, selon vous, le colonel Ibrahima Kalonzo est sorti, est rentré chez lui? Non, c'est le lendemain. C'est le un samedi. C'était le lendemain. Un samedi. Mon collègue, Kalonzo. Présent. Ibrahima Camara. Présent. Dick Kalonzo. Le jour, vous avez entendu le colonel Gabriel Diawara dire que votre rencontre au camp Fayaya avec le colonel Moussa Tiboro Camara, c'était après le 28 septembre. Est-ce que cela est conforme à la réalité? C'est de la réalité. Ça confirme votre déposition. Vous Pardon? Maintenez votre déposition alors. Pardon? Vous maintenez vos déclarations selon lesquelles vous êtes sorti du. Vous êtes sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Je suis sorti du PM3 après les événements du 28 septembre. Est-ce que le jour de la rencontre de Moussa, de colonel Moussa Tiboro Camara, au camp Fayaya, est-ce qu'il y avait la présence de ce collègue? Bon, je ne peux pas parler du nom. Comme l'a dit le colonel Gabriel, ce jour-là, il y avait lui, il y avait moi, il y avait le colonel Fayimba Camara, le secrétaire général du haut commandement actuel. Bon, ok, puisque le nom est. C'est vous qui dites le nom, mon colonel. Et vous vous rappelez qu'il était présent à la rencontre là, mon colonel Diawara? Oh, je ne peux pas fouetter ma mémoire. Oui. Je dis que je ne me rappelle pas. Et je suis mis à plat. Bien. Merci, monsieur le président. J'en ai terminé. Présent. Qui avait donné des instructions de vous arrêter? C'était le chef d'état-major d'alors. Chef d'état-major d'alors? Oui. Colonel François. Colonel François Béabouti. Colonel Gabriel, est-ce que vous étiez au courant que colonel François avait ordonné l'arrestation de M. Kalonzo? Je n'étais pas au courant. Ah bon? Bien. Et vous avez dit que vous avez pris M. Kalonzo pour l'envoyer chez le colonel Tiboro. C'était pour régler le problème entre les deux ou c'était pour quoi?
comme je l'ai dit auparavant lors de mon passage, elle dit que le colonel Kalonzo est un aîné, un condisciple à l'académie. Aujourd'hui, c'est un ami de plus de 30 ans. Et les deux, nous trois, nous sommes rencontrés à l'étranger. Et le différent qui était entre eux, j'ai volé au secours pour trouver une issue à ce différent. Très bien. Maintenant, ça c'était avant ou après les événements du 28 septembre? Bon, vous revenez sur la même chose. Ah, merci. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Mes colonels, avec la permission du tribunal, j'ai un peu de difficulté à comprendre les enseignements militaires. Pardon? Je dis que j'ai quelques difficultés à comprendre quelques enseignements militaires. Ma question s'adresse à vous deux à la fois. Oui. Le colonel avait dit tout à l'heure, le colonel Gabriel avait dit tout à l'heure, que il n'y a pas d'ordre de mettre, comme on appelle, des officiers en détention et mettre la porte. Est-ce exact? C'est exact ça, n'est-ce pas? Bon, chaque fois que j'ai été mis en prison, suite à un arrêt, un billet d'arrêt, mais est-ce que dans l'enseignement, tel est le cas, comme c'est le cas du colonel? Non, vous êtes militaire. Oui, vous avez reçu une formation, vous devez le savoir. Je le dis ainsi. Je le dis comme ça. Vous pouvez nous éclairer, s'il vous plaît. Oui. Le libellé même, le titre, les titres ne sont pas identiques. On dit bien de tout. Les billets d'arrêt, ce n'est pas la même chose. L'arrêt est réservé pour les officiers. Et pour, c'est dans le violon. Et je sais, quand j'étais au PM3, je le dis, le colonel Kalonzo n'a jamais été écouillé. Il était dans la cour ou dans la gare, dans la grande salle ou dans la cour. Il avait même un dépico sur lequel il se reposait. Mais il n'a jamais été écouté. S'il le dit, si je l'infirme. Écouiller, ça veut dire mettre dedans. Ça, c'est pour les subordonnés. Arrêt, c'est pour les officiers. Il le sait. Merci, mon colonel. Bien. Mais, mon colonel, quand on met un officier en arrêt, de ce genre, est-ce qu'il y a la mobilité, il y a la capacité de se déplacer tant que se rendre, même de l'autre côté de la route, s'acheter un petit bonbon ou bien se rendre à domicile? Est-ce que ça c'est possible? Et puis après, je venais, c'est-à-dire, on arrête un officier, comme ce que vous avez décrit tout à l'heure, l'officier est sous votre responsabilité, mais il n'est pas écroué. Est-ce que cet officier qui se promène dans la cour a la faculté de sortir de l'enceinte de son lieu de détention pour pouvoir s'acheter certains objets ou bien se déplacer comme il veut, après revenir? Une prison est une prison. Donc il ne peut, en aucun cas, même dans votre bureau, on peut circonscrire ou limiter votre lieu de manœuvre. Ça devient une prison. Il ne peut pas aller au-delà. Comme il était au PM3, en dehors du PM3, ce n'était pas possible. Il avait une marge de manœuvre. À l'intérieur, ça, il pouvait. Très bien. Colonel Kalonzo, donc vous n'avez jamais mis pied au dehors pendant votre détention. Est-ce le cas? Bon, il arrivait des moments que je sortais. Pour aller où? Juste dans la cour et puis, soit m'asseoir à la rentrée de notre hangar pour dire un moment, comme je l'ai dit, dans mon primitif. D'accord, donc vous ne pouvez jamais sortir en dehors de la cour, c'est ça? Pas du tout. D'accord. Maintenant, mon colonel Diawara, j'aimerais comprendre. Vous vous êtes déplacé à aller voir le colonel Kegoro.
pour trouver une solution à sa situation. Votre lieu de départ exactement, c'était au PM3 ou ailleurs? Au PM3, c'est moi qui l'ai pris au PM3. J'ai pris la responsabilité de l'amener au CAN. Donc du PM3 au CAN Fayère. Et cette responsabilité, je l'assume. Très bien. Colonel Calonzo, vous le confirmez aussi? Exact. Mais mon colonel, comment vous pouvez expliquer alors si lui, il a eu la liberté après les événements du 28 septembre? C'est-à-dire, après les événements du 28 septembre, vous l'avez conduit à l'évacuation et il a recouvré la liberté le lendemain. Mais vous avez dit que, étant officier, quand on est en détention, on ne peut pas sortir d'une prison et d'une prison. Est-ce qu'on peut affirmer ici alors que colonel Calonzo était aux événements du 28 septembre? Moi, je ne l'ai pas affirmé. Je l'ai dit, j'ai présenté un acte. Le point de divergence entre lui et moi, c'est la date de sa sortie. Il est sorti de prison, je crois, quelques jours après, ou une semaine, deux semaines. Moi, j'ai été nommé commandant du 23. Et je confirme que c'est au mois d'octobre qu'il est sorti de prison. Je suis d'accord avec vous. Seulement, c'est sur ce point technique-là, j'aimerais comprendre. Lequel? D'après les données que vous nous avez données comme information, on ne peut en aucun cas sortir de la cour de sa détention. Et vous l'avez conduit, votre point de départ était le PM3 où il était détenu. Il ne peut en aucun cas sortir. Le point de départ est le PM3. Il a recouvert la liberté le lendemain, c'est-à-dire le lendemain de la rencontre avec le colonel Tchekoro. Techniquement, est-ce que ce monsieur, le colonel alors, pouvait être aux événements du 28 septembre qui étaient antérieurs à sa liberté? Moi, je ne me prononce pas sur ça. Il a dit que je suis catégorique. Je ne peux ni confirmer ni infirmer sa présence au PM3. Je sais qu'il était en prison. Mais ces jours-là, il n'est pas pris attention. Donc, si je comprends. Il était au PM3. Et il est sorti au mois d'octobre. Ça, je le confirme. Donc, de sa détention jusqu'à votre service au PM3, vous vous ignoriez qu'il était au PM3. Est-ce le cas? Moi, je n'ai pas ignoré. Je n'ai pas dit que j'ai ignoré. Voilà, vous revenez sur des choses qui ont été. Je n'ai pas ignoré. Vous avez raison, monsieur le président. J'ai dit qu'il était au PM3. C'est bon. Donc, monsieur le président, pour conclure, techniquement, mon colonel, colonel Gabriel, avec les explications que vous avez données, quelle pensée vous pouvez donner au tribunal pour démontrer réellement que vous pouvez... C'est pas un interrogatoire, hein, oui, monsieur le président. Pour monsieur Gaora. Oui, je suis d'accord, monsieur le président. Veuillez m'en excuser. Mon colonel, oui. Techniquement, du point de départ, PM3, à sa libération, la date du 28 septembre, techniquement, colonel Calonzo était au PM3. Est-ce le cas? Oui. Colonel Calonzo, vous le confirmez? Je suis resté en prison, je dis bien, du 3 août 2009 au 6 novembre. Je suis sorti. Très bien. Monsieur, oui. Vous voulez parler, mon colonel? Je ne le confirme pas. Parce que quand le colonel Calonzo a été libéré, moi je n'étais pas commandant de PM3, il le sait. C'est le colonel Baouri qui y était, et c'est à cet effet que le colonel Baouri a été certainement entendu par voie d'huissier, et il a donné sa version. Moi je suis venu après, et je l'ai dit, la décision numéro 401 signée par le général Baldé en fait foi. Je l'ai ici signé le 21 octobre 2009. Et je suis passé capitaine 11 jours après. Et quand j'ai quitté la prison, il était capitaine, j'étais lieutenant. C'est bon. Merci. Merci, monsieur le président. Honorable assesseur, merci. Au colonel, je vais simplement vous poser la question par rapport à cette décision. Est-ce que vous comprenez devant ce tribunal que
Kalonzo était en détention au crime 3, n'a pas la possibilité de sortir en dehors de la cour du PM3. Je suis catégorique là-dessus. Ce n'était même pas possible. Très bien. Donc, je l'avais dit tout simplement, il n'est pas sorti le jour du 28 septembre 2009. Je crois que ça, c'est la cour de tirer sur ça. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Il est rentré en prison. Il a été surpris de le voir en prison. Et il n'est sorti qu'au mois d'octobre. Quand je l'ai envoyé au bureau de Chegoro. C'est bon. C'est tout. Donc, c'est compris par le tribunal qu'il était en détention, il n'a pas pu se faire. Donc, on est à Kalonzo. Vous confirmez que depuis que vous êtes rentré le 3 août jusqu'au 6 novembre, je ne suis pas sorti de la cour. J'étais permanemment là. J'étais permanemment en place. Je n'étais pas sorti de la cour. Est-ce que vous pouvez avoir la possibilité de sortir en dehors du PM3 ce jour-là, le 28 septembre? Il y a la garde là-bas en permanence, 24 heures sur 24. 24 heures sur 24. Pour nous voir, il faut passer par la garde. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le général assesseur. Monsieur Camara, vous avez entendu monsieur Diawara dire qu'au moment où il prenait service comme commandant du PM3, que vous n'étiez plus là-bas, vous n'étiez plus en prison. Qu'est-ce que vous en dites? Bien, je ne peux affirmer ni infirmer de ce qu'il dit. Mais en ce qui me concerne, parce que la prison que j'ai faite, c'est moi qui ai enduré la douleur physique et morale. Donc je connais les dates lesquelles je suis rentré et je suis sorti. Je reprends encore que je suis rentré le 3 et sorti le 6 novembre 2009. Vous pouviez être au PM3 et... Les deux sont unanimes, que vous étiez dans un hangar. Pardon? Les deux, vous êtes unanimes, que vous étiez dans un hangar. S'il vous plaît, suivez. C'est un grand bâtiment. Suivez simplement, suivez-moi. Vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Mais c'était une prison infernale. S'il vous plaît. Vous n'avez pas dit le contraire de ce que M. Diawara a dit. J'ai dit c'est fermable parce que la nuit. S'il vous plaît. Oui, allez-y. Suivez-moi. Oui. Donc vous étiez dans un hangar qui n'était pas fermé. Vous-même vous avez dit, vous sortiez de froid dehors. Est-ce que un commandant pouvait venir prendre fonction sans que vous le sachiez? Parce que quand vous dites que vous ne pouvez ni imprimer ni confirmer, est-ce que vous pouvez rester sans le savoir? Monsieur le Président, j'étais en violon. J'étais dans le violon. Je ne savais pas. Ah, vous étiez encore dans le violon. Vous étiez dans le violon. Oui, c'est un violon. Monsieur Diawara, c'était un violon? Bon, c'est un local qui était réservé pour les officiers. Est-ce que c'était un violon? Ça n'avait même pas de porte. Est-ce que vous le confirmez qu'il n'y avait pas de porte? La porte y était. Mais la journée, on ouvre la porte et moi je sortais, comme je l'ai dit dans ma déclaration, moi je sortais pour lire les romans que certains co-prisonniers me donnaient. On est d'accord, est-ce qu'on est d'accord que même s'il y avait une porte, la porte n'était pas fermée, elle était ouverte. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai dit la porte était fermée la nuit. Le matin. Est-ce que la journée, au moins la porte était ouverte? La porte s'ouvre la journée.
est-ce que vous aviez la latitude de sortir, venir dans la cour? Dans la cour, je dans suis la pas cour. Le seul. D'accord, nous, par, nous sommes avec vous. Oui. Suivez-moi, ne soyez pas pressé. Hein. D'accord. Je veux comprendre tout juste quelque chose. Suivez-moi. Vous êtes dans un hangar qui n'est pas, ou d'ailleurs, où vous avez la latitude de sortir, d'y sortir deux fois. Est-ce qu'un commandant, un nouveau commandant de cet endroit peut venir, qu'il soit installé? Vous êtes là, vous avez la latitude de vous mouvoir au moins dans la cour, sans le savoir. Je n'ai pas compris, monsieur le président. Ça, il est très simple. Vous êtes dans un endroit où vous avez latitude, où vous avez la latitude de vous mouvoir, d'y sortir deux fois, venir au moins dans la cour. Prendre même des documents pour venir lire. Oui. Dehors. Oui. Est-ce qu'un nouveau commandant, c'est-à-dire un nouveau chef de ce lieu, peut venir, on l'installe, vous êtes là sans vous en rendre compte? Bien, monsieur le président, non. Alors, est-ce que vous avez su, pour quand monsieur Diawara a été nommé à cet endroit? Je le sais. Quand il fut nommé, je le sais. Alors, est-ce que vous étiez là? J'étais présent, c'est ce que je suis en train de vous dire. Vous l'avez entendu, il dit que vous n'étiez pas là quand il a été nommé. Bon, peut-être qu'il oublie, mais en ce qui me concerne, monsieur le président, je suis rentré là-bas le 3. Je suis monsieur sorti. Diawara, vous avez oublié? Vous avez dû oublier? Je n'ai pas oublié, parce que quand j'ai accompagné Kalonjo, chez Tiboro, je n'étais pas commandant du PM3. Et le lendemain, le général Badal a appelé. Il me dit, où est le colonel Baoumi? Il dit, il n'est pas là. Il dit, la position de Kalonjo. Il dit, Kalonjo est sorti. Il dit, comment je l'ai expliqué? Il dit, c'est lui qui l'a amené Tiboro et il a sorti. C'est ce que je lui ai dit. Il dit, tant mieux. Il dit, c'est lui qui l'a amené. S'il a désiré le fait qu'il parte, il dit, il n'y a pas de souci. On s'est limité là. Vous avez entendu, vous avez compris? Bon, j'ai entendu. Vous étiez toujours là. Pardon? Vous étiez toujours là. J'étais en prison. Je reste mordu puisque j'étais en prison. C'est bon. Monsieur Diawara, vous avez sorti Monsieur Kalonzo pour l'envoyer voir Monsieur Moussa Kiboro. Affirmatif. Après, je l'ai retrouvé. À quel titre? Bon, j'y servais. J'étais officier de police judiciaire. J'ai offert mes services pour les réconcilier. Monsieur Kalonzo, c'était à ce titre? Bien sûr, colonel, si vous me permettez, colonel Gabriel, colonel Tiboro, colonel Poirot, colonel Guillaume, décédé père à son âme, et le colonel Edouard, nous avons eu la chance de partir en Chine ensemble. Est-ce que c'est en tant qu'officier de police judiciaire qu'il a pu vous sortir pour vous envoyer voir M. Moussa Kiboro Kamara? Monsieur le Président, je ne peux affirmer. Il a vous ne savez pas. Parce que lui, c'est un camarade de promotion, mais pas en Chine. Donc, à ce titre, je le remercie pour ça. Il est allé voir le colonel Kiboro, arranger les différents qui étaient entre nous, et puis il est venu me prendre la nuit. On s'est rendu là-bas. Monsieur Diawara, ce que vous avez fait pour M. Kalonzo, est-ce qu'un autre agent de ce service pouvait le sortir de cette manière? Non. Pourquoi? Bon, moi j'ai joui de mes relations avec Kiboro. C'est
C'est ce qui a fait que j'ai... Je veux dire, est-ce qu'un autre agent peut le sortir du PM3, même si ce n'était pas pour l'envoyer chez M. Moussa Kedoro Camara? Non, ce n'était pas possible. Pourquoi? Bon, il y avait les services de garde. Quand vous l'avez sorti, les services de garde n'étaient pas au courant? J'étais de service ce jour-là. Vous dites? J'étais de service. Vous étiez de service? Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre pouvait le faire si vous n'êtes pas là? Bon, ça dépend. Moi, j'ai pris la responsabilité de le faire. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait prendre la même responsabilité de le sortir? Ah, c'est relatif. Monsieur Kalonzo Camara, est-ce que quelqu'un d'autre pouvait prendre la même responsabilité de le faire sortir, comme l'a fait Monsieur Diawara? J'ai dit, et je reprends, j'ai dit, vite, les relations qui sont entre moi et le colonel Diawara et tant d'autres, je crois à ce titre, il s'est permis. Vous vouliez parler? Oui, allez-y. La question est très importante. Et mon collègue Ibrahim Camara a dit qu'elle est présent. Puisque vous dites que vous avez dit que elle a été nommée commandant pendant que vous étiez là, quand vous avez été informé de cette nouvelle responsabilité, quel était désormais votre état de rétention au niveau du PM3 après que le colonel Gabriel est accédé au poste de commandant du peloton? C'était un peloton en ce moment. Dans un premier temps, c'est content. C'est un ami qui accède à un poste de responsabilité. Dans un deuxième temps, je sais que c'est à cause de ça, vu notre relation. Vu que je suis resté longtemps en prison et qu'il a eu pitié de moi, je dis bien que je le remercie pour ça. Bien. Et mon colonel Gabriel, et lorsque monsieur le colonel Ibrahim Camara est sorti de la prison, selon vous, est-ce que à un moment il a eu à exprimer une quelconque joie par rapport à votre nomination comme commandant? Est-ce que vous vous rappelez d'un seul instant? Bon, je suis invariable sur ce que j'ai dit. Au moment où on me nommait, il n'y était pas. Oui, ça c'est compris. On ne s'est plus revu. Oui. Ce n'est que quelques années ou quelques mois après, on s'est vu. Parce que là, lui, il est parti à Fila. Bien. Et mon collègue, Ibrahim, et camarade, et Kalonzo, vous avez... Le président, mon collègue Gabriel a dit tout à l'heure, à un moment, quand il a réussi à vous faire sortir et à vous faire rentrer à la maison, que le chef d'état-major à l'époque de la gendarmerie a appelé et qu'il a dit qu'il vous a fait sortir, bon, et qu'il a demandé, et le commandant Baoui, je voudrais savoir, est-ce que selon vous, si colonel Gabriel n'était pas le commandant adjoint, il n'était pas l'officier de police judiciaire chargé du dossier, il n'avait pas été désigné pour assurer l'intérim, est-ce que selon vous, il pouvait prendre une telle responsabilité sur vous, étant donné que vous ne faisiez pas l'objet de procédures régulières? La dernière question. Bon, si vous me posez cette question, je dis que le colonel Tamba Gabriel a été
n'est-ce pas, un ami de promotion. Je suis plus ancien que lui, mais c'est un ami de promotion. Donc, quand j'ai été sorti de la prison par lui et il m'a amené le colonel Diboro, vraiment, je ne fais que le remercier par rapport à ça. Bon colonel, Gabriel, vous êtes d'accord avec le colonel Ibrahim Camara que la date d'entrée, la date de l'établissement du bien d'arrêt contre lui, la date de sa libération, est-ce que vous êtes d'accord avec lui que ce sont deux dates essentielles, parfois, qui peuvent être difficilement oubliées par lui, la personne concernée? Maître, je ne voudrais pas que nous polémiquions sur ça. Il y a des questions variables. Non, c'est compris. Ça dit, si vous êtes d'accord au moins avec lui par rapport à ça, la date pour un officier, la première fois que vous fassiez l'objet d'une mesure d'arrêt et ensuite vous passez plusieurs mois là-bas, la date de votre libération, est-ce que ce sont les deux dates quand même qui sont essentielles, qui peuvent être difficilement oubliées par la personne concernée? Si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord avec lui là-dessus, hein, je ne dis pas que c'est... Voilà, je ne vous demande pas de varier autrement. C'est relatif, parce que ça dépend des gens. Il y en a quand ils subissent trop de trauma, oui. Mais ils peuvent oublier beaucoup de choses. Oui, mais logiquement, on suppose que ce sont des dates considérables. C'est comme nous, notre date de prestation de serment, nous la retenons. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez rejoindre une place. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez partir si vous voulez. L'audience est suspendue.